Nous sommes le jeudi 10 septembre 2020. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information. Jacques, bonjour. Comment vous? Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Saint-Éloi. Bonjour, Dagé. Bonjour, Jacques. Et bonjour, Olivier. Bonjour tout le monde. Olivier, bonjour à toi, frère. On est parti pour une nouvelle édition d'information qui s'engage en actualité à matin. Un vent de panique qui a soufflé dès la matinée du mercredi 9 septembre au bas de Delma et dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, dont Bel Air et Carrefour-Péan, où des tirs d'armes automatiques ont été entendus. Pendant ce temps, les écoliers des établissements publics ont été à nouveau ce mercredi dans les rues pour réclamer la présence des enseignants dans les salles de classe. Rougis de colère, ils ont même lancé des pierres en direction de certaines écoles privées pour dégager leur frustration. Les responsables du syndicat des travailleurs de la santé à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti ont annoncé un débrayage pour le lundi 14 septembre pour exiger un ajustement de salaire et de meilleures conditions de travail. Et le leader de la plateforme, Métis Dessalines, qui applaudit les efforts qui ont débouché sur une appréciation de la monnaie nationale depuis quelques semaines sur le marché d'échange. Toutefois, Jean-Charles Moïse demande que le taux soit à nouveau fixé à 40 gourdes pour 1 dollar américain. Voilà, et dans le billet de Jacques Ambroise ce matin, crise haïtienne. Nous parlerons toujours de crise haïtienne, mais cette fois-ci de l'éducation, éducation à venir hypothéquée. Voilà pour le menu de cette édition. Nous vous revenons dans quelques instants pour le développement de ce titre de mieux votre information. Et 4 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition, une édition qui entre chez vous grâce au support de toute l'équipe rédaction Noclès Debréus et Mario Sylvain. Réalisation Olivier Bouchereau, au micro Jacques Ambroise, Moïse Saint-Éloi et Jean-Fouch Alanger. Monsieur, comment allez-vous? Mon cher, nous ne sommes pas en forme de nos pays comme ça. Nous ne sommes pas en forme de nos pays qui ont autant d'irresponsables. Nous ne sommes pas en forme de nos pays côté que gagner trop de décisions qui apprend et à la légère. Et ceci à tous les niveaux. Nous ne sommes pas en forme de nos pays côté que des vulgaires personnages. Et il y a un pays qui pas c'est eux qui gagnent puis on sur eux. Et nous pas en forme nos pays côté que y a pas aucun respect à la compétence, à la vérité, à la science. Parce que y a un plus gros problème que nous gagnons aujourd'hui, c'est que en Haïti nous pas qu'à faire
rien, j'ai l'autre pour nous faire de l'autre côté. C'est-à-dire, nous pas qu'à poser problème de façon rationnelle. Et ce qui dérange, c'est semble que c'est l'idée de nous qui tourne à l'envers. Nous, mon père, tout près. La République dominicaine, nous, ouais, ça la République dominicaine a fait. Nous, ouais, comment le fait, yo. Et dans qui ça la République dominicaine déye, et ça a fait pour yo sortir, pour yo dire à la que la République dominicaine, en début de toute sorte de yo, malgré COVID-19, il était une grosse destination touristique. Mon allé là, oui. Malgré son pays qui était grand pile cas de COVID, oui. Ou bien qui continue grand pile cas de COVID, oui. C'est preuve que ici, là, nous prenons toute comparaison, ça, yo. Nous gardons, nous ne nous pas en forme. Il faut que nous posions peut-être une grosse question. Bon, et ça que donne dans la question, pas qu'en forme, ça, Jacques, c'est que chaque semaine, il y a une actualité différente dans le pays. Laissez pas goud avec dollars, c'est insécurité. Laissez pas insécurité, c'est et moun kap mouri mal. Donc c'est son question ou pas qu'à comprendre kap mouri mal l'hôpital. Donc c'est professeur aptouye, c'est moun sérieux kap victime dans le pays. Donc chaque semaine, goun bagay différent dans le pays. Et c'est comme si nous déjà dit qui ça nous fait na pay. L'autre jour, l'autre va là avec docteur et Ali. Nous sommes venus nous demander comment l'hôpital là. Il me tout bagarre manger bien fond. Et mais il grève canoser. Oui oui. Pour 14 septembre. Oui, il y a grève canoser pour 14 septembre en tout cas. Et café loose bah là en foutu. Non. Mais c'est problème avec bah tout trois pour quatre pelouse pour shit. Attendez. Jacques. L'opte de moun ici nous bagay au café. Et 4 pilotes capo pour yon. Nous parlons avec vous. Nous avons là, un d'un bagay de Edo, l'elvinant face sur le croisavo, l'idun l'autre bagay. Vous savez, vous faire pour ça. Non, parce que nous ne respectons rien. Nous ne respectons valeur. Nous ne respectons rien. Nous ne respectons rien. Elle dit que les moun n'avons là, un d'un bagay. Nous parlons. Et puis nous voulons banaliser tout bagay. C'est le problème qu'on a par rapport avec l'autorité d'État. Comment comprendre hier, moi matin, ma PC était couché info pour me joindre ministre et pour me joindre pour la police là, mais qu'elle est le jeune malheureusement, tous les téléphones, une personne dit tout matin. Hein? Mais son bail qui est grave par rapport à ce qui passé hier là. Hier au bas de la ville, son bail catastrophique. Ouais. Là, moi-même, question que je me posais avec monsieur le jeune, blindé ça haut, qui calibre et il y aura résisté avec. Parce que à chaque fois que la police prend un peu sortir avec eux, nous décidons bol. Elle dit que là, il y a des questions pour nous poser. Ou nous sommes d'accord ou nous pas d'accord, mais nous pas qu'à continuer à fonctionner comme ça. Par exemple, l'image que nous avons gardée pour elle, nous avons été premier ministre, nous avons dit 3, 4, 5 qui étaient bons. Mais il y a 3 et qui préparent ta souhait en bas d'un body. Mais ajouter sur ça que tu es déjà là. Bon, aujourd'hui, qui quantité qui a fonctionné? Tu as 9 qui t'en parlent. Tu as 9 qui t'en parlent. Qui ça qui en fonctionne aujourd'hui? 15 blindés. Tu as 9 en panne? 9 en panne. Tu as débloqué 15 millions de gouttes. Pour réparer neuf qui en panneau et non neuf yo bon semble te gagne yon nou de qui s'est perdu pour te réparer et sept nan yo et ou dit gagne trois qui gagne trois quand dommage hier et puis gagne une qui était en panne devant faculté de droit dernièrement c'est non mais comment en panne là en panne bien Jacques il n'est pas gagne il va garder il va garder placé et gars le timing aller. Non mais là une bonne sécurité. Vous tout ne côté derrière frère. Directeur a dit tout va bien et me songer que c'est la fermer une interview à nous demander comment l'hôpital là il dit que tout va bien dans l'hôpital là. Maintenant dans route de là entre syndicat avec directeur gagne un nom qui pas bande notre cause. Non mais mettons en place directeur là ça t'a dit. Si un journaliste m'a dit comment l'hôpital a fonctionné, il m'a dit réalité. Réalité? Oui. Yeah. Okay. Ça veut dire que je suis dans l'hôpital là, et tant que et dit que ça te dit, qui est vrai, c'est avec dialyse par un grand pays. Il a fait au ralenti, il a. Au comprend. Mais aucun bel coup. Et il a toujours essayé d'exister. Mais maintenant, dans l'autre par rapport à l'autre service, l'autre cause qui a fait yo. Est-ce que bon l'autre côté tout, bon volonté manifeste, bon un groupe moun, quel qu'en soit Jean Cosé ailleurs,
et puis pour rien pas marcher. Parce que c'est bon causé l'école là. Et ça qui passe hier dans l'école là, où tu es en bas, où tu es en bas la ville. Yeah. Et non, l'homme est en bas la ville. On va parler de ça qui passe en bas la ville. Oui. Et blindé, ceci, cela. Oui, monsieur Nabel, elle n'a Delma, Il a dit qu'il a cherché Moun. Est-ce qu'on comprend? Et Moun, il a parlé dans la télévision. Moun, il a dit. En tout cas, par exemple, bah, vous pouvez rapporter à. Non, franchement, je ne sais pas. Ok. Maintenant, ça est le vieux faire. Par exemple, Canada. Ah non, Canada même. Monsieur Jules Bernerson et Justin qui ont des gens difficiles. Grand pile d'autres l'école encore. Qui est passé le nom malien. Qui y a Ouajou et comme si. Maintenant, si tu as choix pour ampleur, non men, et les mains vont voler, non, bah, elle me dit ça. Parce qu'on a distingué mal à faire mettre. Et là, ils ont dit les mains vont voler. Ou pas qu'on a mal à faire mettre. Et mon cher, ou pas qu'on a mal à faire mettre. Et dans le mi-temps mars, dans le Madiga, bon mars, dans le Madiga mal masqué, ou pas qu'on ni bon Madiga, ni mauvais Madiga, les mounes des masques. Et parce que quand ils ont porté masque, et si vous sautez, c'est comme si dans bon carnaval, dans mon bas, les mounes ont des cagoules. Et pas oui, yes. Ou pas qui est, ça veut dire que yo ka remettre qualité Zach. C'est même genre et parmi la foule ou pas qu'on ou pas qu'à distinguer qui est-ce qui élève, qui est-ce qui va élève, qui est-ce qui pas élève, surtout si on gagne uniforme. Oui, tout gagne uniforme tout. Ça veut dire que parce que uniforme là t'as supposé y ont façon pour identifier élève. Mais si on veut infiltrer, yo ka infiltrer et puis gros des autres fait. Mais là, on a posé, ou quand il y a un bail qui arrive, chaque fois nous posons des problèmes de façon. Et comme si, pour nous, je ne réponds vite, et nous passons à côté. Et c'est ça qui arrive, nous, dans le pays, nous prenons plaisir pour nous poser des problèmes, et vite, rapide. Nous pas entrer dans yo, nous pas entrer dans profondeur yo. Et bien solution va jamais venir. Solution va jamais venir. Nous pas tirer exemple de ça qui fait yo avant de qui solution qui t'est portée pour qui sa solution ça va pas de bon résultat et qui l'autre solution que de venir avec adapté à réalité pour qui permettre que nous avancer. Justement et si nous sortons dit à l'heure sourire les ministres à Geno matin là au moins de comment l'école là est. L'abdou tout va bien. Et pas c'est nous, 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 nous. L'abdou tout va bien parce que pendant l'élève lycée, on a là où il y a crasé l'école privée pour essayer de finir l'année 2019-2021. Il y a un peu l'école, hier matin, qui fait cérémonie, ou bien lundi, qui fait cérémonie d'inauguration, nouvelle année scolaire là, 2020-2021. C'est-à-dire, il y a deux écoles différentes. Et puis, si vous n'avez pas de professeur, professeur dit qu'il n'y a pas de dans la salle parce qu'il y a plusieurs mois, il n'y a pas touché. Ça a fait politique avec vous, ça a transféré, ça a coupé chèque, etc. Donc, il y a deux situations avec deux écoles différentes. Mais souris les ministres qui sont responsables d'éducation dans le pays, je dis au moins de comment ça est là, tout va bien. Et au fond, ça qui est, madame Moïse, tout ça, nous avons des acteurs, chaque monde pointe. Chaque monde a fait affaire. Ça veut dire que. C'est un coup tout babel là. Chaque a parlé causé par yo, mais yon pas attendre l'autre. Oui. Ça veut dire chaque monde a parlé dans une langue. Non, langue différente. Non, langue différente. Et celle qui comprend tête li. Celle qui comprend tête li. Et c'est exactement ça qui vient dans le système éducatif là, là, journée aujourd'hui. Et nous avons des acteurs, et yon pas comprendre. Yon pas comprendre l'autre. Yon pas attendre l'autre. Et si yon ne pas comprendre l'autre, yon ne pas attendre l'autre, ben là pas kabache. Oui, et comme on comprend, année 2020-2021 ouvert, année scolaire ça ouvert. Alors que examen officiel, examen l'État 2019-2021, pourquoi fait? Bon, de toute façon, et nous ne parlons pas avec le ministre Nader. Oui, nous avons avec le ministre Nader sous dossier.
et coup de compte là, coup de compte, et qui mettait une note de clarification de yon, un peu le monde qui a pris une note là, dit, mais pas que le président là, avec tout ministre de PDCA, nous connecter, faire des commentaires, et la coup de compte qui, yon même répond, nous yon en lien avec nous, ingénieur Joiseus Nader, ministre des Travaux Publics, Transport et Communication. Monsieur le ministre, bonjour, merci un pile, bienvenue sur Antenne Pacifique. Bonjour, Danger. Bonjour à tous auditeurs, auditrices, Radio Pacifique FMU. Mathieu a parlé avec nous. Pour le monde qui vient des oreilles, pour le monde qui veut attendre, pour le monde, certainement, toujours il y a des mondes, soit qui ne peuvent pas attendre, qui ne comprennent rien à rien, soit tout qui ne comprennent pas, mais ce qui est mieux, boucher les oreilles, et boucher toute compréhension. Et que nous, dans le combat, même pour nous sauver le pays, ça. Pour nous, pour mes jeunesses, ça qui n'a pas eu ses armes par le Kimbia. Donc, on va maintenant pour nous comment pour nous libérer totalement contre tout le monde qui a enchaîné, contre tout le monde qui a fait dictature dans le secteur par eux, mais qui voulait faire mon comprendre le contraire. Et ministre, nous avons commencé fort. Mais est-ce que, là, par exemple, vous dites, monde qui a compris, tendez, est-ce que ce n'est pas un message à tout qui n'est pas bien dosé? Est-ce qu'on n'a pas intérêt, comme nous sommes au bon état, pour ta va parler parole, pour tout le monde comprendre, pour tout le monde entendre, et puis pour nous. Merci, je parle pour tout le monde comprendre. Qui est l'État, et notamment votre travaux public, c'est arrivé et réhabiliter conscience et des infrastructures, soit dans route, soit dans le canal, soit tout le monde de bagage. Et dans l'autre côté, ça, pour le créer emploi. Et pour le créer emploi, il faut tout acteur. Dans l'État très compréhensif, très et responsable, pour être capable, avec tout équilibre mental, pour délivrer marchandises. Maintenant, bon cas simple, pour tout le monde qui veut comprendre. Tout le monde qui attendait. Quant à mon, mesquin boucher toute compréhension, je vais adresser avec vous. Et dans ce souci, créer emploi, je vais paraître. Le président va me faire des routes, il dit, ministre, il y a longtemps pour le prince, pas de grosse infrastructure routière. Et pas d'emploi dans le pays, c'est ça qui fait jeunesse pays avec des âmes nommées. La police, pour contre lui, pas qu'à retirer les âmes nommées, bandits. C'est le premier bagage qui pourrait retirer les âmes nommées, bandits, c'est emploi. Tant pis, ouvrir pour le prince en chantier pour moi. Depuis mon arrivée, nous commençons le travail. Travail, nous voyons le dossier, CNMP, nous respectons lui. Parce que lui-même, ou est mentali, il a besoin de bagailles bien faites et ça nous tout a souhaité. Certainement, nous ne devons pas bagailler la science infuse, nous ne pas bagailler la science infuse dans le ministère-là. Il y a des compréhensions qui sont manifestées, qui sont comprennent, ils ont corrigé, ils ont tourné le ballon et ils ont par exemple quitté le passé 3 à 4, 5 jours, l'État a mandé à la loi mandé. Bravo, CNMP. Que la Cour supérieure des comptes. Nous sommes bons bagailles pour tout le monde qui a compris. Et ici, gallon diesel 2779. On parle d'aucun côté, si tu as besoin d'acheter gallon diesel, il n'y a pas besoin de demander 3 pour format. On dit, côté où vous voulez acheter diesel là, côté estimé qu'à bon point, on va acheter la passé. Et si vous avez besoin d'acheter 40 000 gallons diesel, bon souci, faciliter tout le monde. On prend 4 pompes. On dit chaque fois va bon nous 10 000 gallons, pas gagner un problème dans ça parce que tout le monde est même brillant. Pas besoin de prendre 3 pour format. Qui n'a pas besoin de 3 pour format? On m'a demandé 3 pour format, les prix sont différents et les qualités sont différentes. Si prix et qualité sont pas différents, même gens, on n'a pas besoin de demander 3 pour format. Nous voulons prendre envie que pour nous créer un emploi dans le pays, mais tout le monde va prendre pour nous créer un emploi dans le pays. Nous voulons prendre 2 contrats. PME, petit et moyenne entreprise. Pour 4 emplois. En nous dit si chaque entreprise crée 6 minimum 10 emplois, ça va 320 emplois. Et minimum pour créer, l'on prend Malaxe, on prend Pelle, on prend Piqua, on prend Bouette, minimum pour créer à peu près 15 emplois chaque. Et sans compter emploi indirect. Nous voulons le coût supérieur des comptes. Mais ça reproche non, tant de monde qui attendait. Les reprocher, non, notez 2.3 pour format, c'est-à-dire 3 pour format pour chaque pays, pour chaque contrat. Mais maintenant, alors, monsieur le ministre, est-ce que le processus-là est respecté? Ça veut dire que. Procédure, pardon. Est-ce que tu es respecté dans sa game pour avec question, parce que ça se demande chez. Apparemment, tout ça reprocher, non, recommandation fait, non?
yo di non marcha pedou pour trois propositions conformes à l'article 6. Trois propositions alors pour trois propositions selon des prix différents et qualité différente. Ma bonne recommandation fait non qui fait retourner et danger comprendre ça nous là. Mais ça recommande pour prendre trois propositions. Qui n'a pas trois propositions mon frère? C'est le prix différent et qualité différente. Laissez ma bonne maintenir le carnivore même prix tout si maintenir le carnivore. C'est 2000, 3000 gouttes dans tout le contrat. Nous devons bailler tout le monde pour nous faciliter tout le monde faire contrat. Je baille à 2500 gouttes chaque monde. Prenez à 2500 gouttes, même quantité. Pas de problème dans ça. Et ce n'est pas la première fois la fête. Nous devons tout le monde gagner le même prix. Si tout le monde gagne le même prix, mais nous sommes 32 compagnies. Tout le monde gagne le même prix, nous ne parlons pas de problème qui gagne. Mais maintenant, est-ce que Koulan peut aller dans le niveau pour garder pour nous être comment capable de combattre sa cancarile favoritisme, là, et, monsieur le ministre? Qui favoritise? Il y a reconnaître bon montant qui passe à gré à gré. Ou t'as pas regardé qu'on y a 32 films, est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est pour le monde? Est-ce que c'est pour un petit homme taille? Ça ne doit pas d'accord avec vous. Mais c'est pas logique, là. Nous devons être d'accord avec vous. Soit les petits hommes qui font comment ils font, est-ce qu'il y a des qui camoufle, les prêts, vagabondage? Non, ce n'est pas le cas. Ou ce n'est pas le Premier ministre qui t'a voué Jean de et projet ça dans le cours supérieur des comptes. Et est-ce que avant l'heure qu'on voue, est-ce qu'on gagne trois pour format? Et comment ça qu'on fait? Non, il n'y a pas de gens qui font comme ça. C'est l'esprit de méchanceté qui manifeste la calmonie aujourd'hui. C'est esprit, hein, comme si on a dit, nous découvrons un bagage, pas quitter pour créer, pour casser un bagage. C'est samedi, je caché derrière nous, on a cherché tout le bagage. Moi, de samedi, journaliste, viens nous prendre projet, viens prendre le bagage, contrat pour nous garder. Tout le monde qui veut vraiment, journaliste objectif, tout bon. Cap garder le bagage, viens analyser pour écouter, est-ce que c'est fait des hommes. Mais on bagage, il reproche non encore. Il reproche non, et contrat doit indiquer le ou pas besoin, non pas de l'eau, chaque monde, c'est-à-dire c'est comme si on fait curage dans le pays, ou besoin de paquet de machines, des problèmes dans l'arrière pour éviter l'inondation, ou pas chaque monde, même quand il fait des mètres cubes. Maintenant, monsieur le ministre, et malheureusement, et par rapport à projet ça ou quoi parler là, je me rappelle que je m'en ai entrevu avec vous, ensemble avec Jacques Ambroise et ministre Nader, et gagner des éléments et d'informations en ce qui a trait avec. Contrat ça ou quoi parler là, que la Cour des comptes pas baille dans notre clarification là. Mais maintenant, si nous avons essayé de garder par rapport avec, ou capable toujours partager d'autres informations avec nous, j'en fais là, mais par rapport à la note de clarification de la Cour des comptes, si nous avons gardé le premier point que vous mettez que y a un désaccord entre nous-mêmes et vous-même, les mêmes que nous-mêmes, c'est-à-dire entre l'exécutif et la Cour des comptes. Vous parlez de projet de contrat relatif à la construction de la centrale électrique à double combustible diesel et gaz naturel de 55,5 MW dans la commune de Carrefour. Et il dit que ce projet a reçu un avis défavorable pour divers motifs. La Cour en retient simplement deux ici. L'article 2.4 de ce projet précise que dans le cas où la date de signature du contrat n'adviendrait pas avant la date d'expiration de l'offre négociée, du 29 avril 2020, soit 90 jours à compter du 29 avril, eh bien, le contrat sera donc nul et non avenu, à moins d'un accord mutuel écrit entre les deux parties, lequel pourra éventuellement s'accompagner d'une modification des conditions de l'offre du 29 avril 2020, prix et ou calendrier. Maintenant, il a dit que pour le contrat, ça ayant été soumis à la Cour pour avis de conformité le 6 août 2020 en violation de ses propres termes, soit en cumulant 99 jours à partir de la date de départ et sans l'accord mutuel entre les deux parties. Maintenant, avec un projet comme ça, monsieur le ministre, par rapport à ce premier point, comment est-ce que vous avez passé là? Bonjour. Et ça te fait arriver dans la date là. C'est parce qu'il m'a retourné, gardé pendant un paquet de temps. La loi a dit combien de temps pour être dans la Cour supérieure des comptes. Oui, mais maintenant, pour qui ça ne fait pas? Non, pas. La loi a dit que certainement, bon, on fait bon, on a supposé c'est vrai. Bon, l'offre analyse ou positif dans mode dépensé, on a supposé c'est vrai. D'accord, monsieur le ministre. Combien faut-il de temps? Si c'est vrai, qui rôle est Cour supérieure des comptes? C'est
surtout a posteriori, ben je dois dire, pour éviter si bien des gars avant pour le bagarre là depuis en amont pour pas pour trop de dégâts en aval. Pour prendre ou faire. On nous évite qu'à ça poser. On nous évite qu'à ça poser. C'est ça le loi fait développement. Mm-hmm. Et bien, on n'y peut poser. Ou faire une maquille, ou corriger les petites périodes. Mais maintenant, et est-ce que pas de vous, Eldine Bono? Pour qu'il soit aucun bel pendant 45 jours, dans le dossier, et 30 jours, 45 jours, la loi n'a pas plus que 8 jours. Pour qu'il s'agit des dossiers qui fait 45 jours, pour qu'il s'agit des dossiers qui fait 2 mois. C'est ça qu'on a cherché tout. Quand on a cherché des bagages qui entraînent dans le sous-développement. Mm-hmm. Parce que nous, tellement cherché la petite bête, la 1-1, pour corriger, et puis pour nous montrer que non légal, et puis nous bloquer tout un système de développement de nos pays. Et c'est ça que nous avons cherché. Monsieur le ministre. On bagaille pour corriger. Bon, supposons c'est vrai. Par exemple, on bagaille de faire 8 jours, ou pas attendre qu'il a pour pas quelques jours, et puis au point il a passé tout bonnement pour date d'arrivée pour le faire outil, et puis pour raison l'autre qui est belle, et puis après, coup date d'arrivée, on dit l'autre bagaille. Monsieur le ministre. C'est normal pour le produit. C'est même si on patent, bon dieu. C'est même si on patent. Nous comprenons la réalité. Ou bien on quittus. Là, notre cours supérieur des comptes, il est arrivé quittus pour le normal. Il est tellement arrivé que notre cours supérieur des comptes, pendant notre cours supérieur des comptes, quittus a fini, il va retourner. C'est ça que vous nous cherchez. C'est ça que nous cherchons dans le pays. C'est ça qu'entraîne les hommes qui n'ont même les jeunes qui ont fait un emploi pas qu'à créer. C'est ça qui ça. Je me vois et bagaille à la caillou qui tu souhaites gagner un mois, 2 mois valable. Mm-hmm. Et puis, pendant que tu es à la caillou, qui tu sens fini. Il y a tout pour qui tu sens fini, il y a tout le monde pour qui tu sens fini. Grâce à ces têtes, on n'a pas cherché la petite caillou. Monsieur le ministre, là, parce que sous la gagne, en méchanceté qui a fait, est-ce que la loi pas bon nous aucun recours là par exemple nous fait ça n'importe pour nous défaire problème n'a pas dans nous n'entend de supposer faire et puis ça pas marcher qui recourt la loi bon nous la loi presque pas bail trop gros recours c'est ça que fait grosser des lois qui obsolètes yo veut remanier la loi pas aucun recours et chaque fois un citoyen haïtien qui pas gagne qui limite mental qui gros pouvoir dans même sans limite, l'ITEL m'a exploité de pouvoir jusqu'à ce que l'État de société. Et toujours, il y a un monde qui mettait en face qu'elle soit mal privée. Je songe, la duvalier, elle t'a fait ça, elle t'a fait, t'es bon capé, t'es bon Sidio Clou, t'es bon série de Liliane qui te mettait en travers, qui est pas accepté. C'est le même bagarre à tout. Tout ce qu'il y a des comptes sont institutions qui n'ont besoin. Mais certains éléments la donne, pas logique, mais style, ou méchanceté, certains la donne, ou incompréhension d'autres, ils ont presque détruit, n'amène. Parce que de tuer institution, pour ne pas dire de tuer pays. Même frère, et ça nous rappelle, même de tout journaliste pays qui a fait recherche, qui a fait enquête, rentrer dans tout ministère, oui, combien de contrats calés, combien qui tournaient, combien qui ont approuvé, pour qui ça. Et chaque contrat qu'on a approuvé, c'est 100 à 150 jobs qui créent dans le pays. Monsieur le ministre. Les âmes sont tirées par la police pour mettre en face jeune toute journée. C'est un poids qui pour créer. Mais c'est-à-dire. Pour créer un poids pour des gens abusés, responsables, éclairés. Mais c'est-à-dire, où on a une barrière qui a facilité le travail là, matin. Par exemple, ouais, même gens, écoutez, quand on mettait une note de clarification, ça de yo, par rapport avec des légèretés. Si je garde le contrat que l'État joue dans des contrats qui sont dans l'État et au niveau exécutif, la poids junior. Allez-y. C'est pas légèreté, quand on voit un contrat tourner, on dit d'accord par la donne, on m'a dit plus de journalistes à le garder dans les. Et là, par exemple, il y a des contrats et puis il y a des formulations qui sont en anglais là-dedans. Bamdo, écoutez, mon frère, dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, Haïti, bon pays à part. Sauf, nous comprenons logique sous développement, non. Les spécifications techniques, toujours presque en anglais. Presque, parce que des thèmes, c'est même, je suis bien au monde. Monsieur le ministre. Email, l'oral, ou bas, dis-moi, on a converti email là pour vous. Monsieur le ministre, comment... Non, sous le mot email, vous avez le convertir en vous appelez le témail. Attendez, monsieur le ministre. Non, même le mot problème de oui, parce que Haïti pour payer à part, nous c'est un qui plus mal dans mon dos, et c'est mode de combattement qui rend nous pour ça. Là, monsieur Nadia, est-ce que. Par rapport avec ça qu'on l'a dit, parce que vient avec ça en tant qu'un deuxième point dans une note de clarification. Et ça, normalement, dit oui. Par exemple, si travaux publics, je dis à la, tu es capable de mettre une note de clarification avec équipe technique liée, communication liée,
pour dire écoute voilà, mais des projets qui clairs. Mais maintenant laisse ça. C'est même logique communication. Mais maintenant monsieur Nader, laisse ça, n'a bon document que n'a pas analysé, même j'en ai fait là et laisse ça n'a pas capable communiquer avec mon coup de couteau autour de l'itou, même j'en ai fait là avec mon exécutif là depuis hier. Je dis à la régie Nader, qui ça en dedans contrat ça qui gagne pour avec General Electric qui parti là-dedans que Coulon dit qu'il est en anglais, parce que malheureusement nous-mêmes nous pas copie dans contrat. Par exemple qui ça dit bon donc gagne parti qui est en anglais ou bien qui est en espagnol tout dépend de côté mon là. Je dis bon donc ça passe. Mon gros film international c'est pas film familial. C'est des films vraiment internationaux, il y a plusieurs nations qui en dedans. C'est multinational. Surtout aujourd'hui avec nouveau monde ça qu'on gagne après qu'on a vu ça. Ou pas obligé même côté pour notre travail et dans la même boîte. Mm-hmm. C'est-à-dire côté nous et à nous travail, le monde change aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est ça pour Haïti commencer à comprendre, pour nous tous éclairer, pour nous comprendre la réalité. Nous n'avons pas de on s'est vu en anglais. On s'est vu en anglais, mais on s'est vu en anglais pour changer l'autre des choses. Oui, mais maintenant, Monsieur le ministre, comme n'a fait administration. Et administration publique là, il fonctionne dans deux langues qui c'est créole avec français. Est-ce que nous pas trouver nécessité pour que nous t'ai engagé des firmes, des professionnels qui assermentés pour que yo fait traduction soit anglais à français ou encore espagnol à français. Comme do, si c'est ça nos besoins, y a fait. Comme do, pour nous avoir des problèmes non. N'a dénoncé parce que moi-même là, quel soit les prix payés. Je ne vais pas accepter de faire n'importe quoi dans le pays, je ne vais pas avoir un pays de réserve. Je ne vais pas avoir aucun autre. Parce que quelqu'un qui a fait, même si je m'arrête de PMD, mais je vais dans notre pays, même si l'année après, je vais mourir là-dedans, je vais mourir là-dedans. C'est des bagailles qui créent, entraînent sous développement, nous ne pouvons pas continuer à nager là-dedans pour nous faire mourir là-dedans. Si on nous pose des questions, logique de sous-développement chronique, ça nous a pris là-dedans. C'est manque de pensée, manque d'ajustement. Ministre Ader, côté volonté délibérée, ça a sorti pour boycotter, d'après vous. Il est sorti depuis dans les années 2013. Vous suivez des comptes en coupe, et pas si on ne pas bloqué, le pays a bloqué net. C'est moins de c'est parce qu'il n'y a pas de journalistes qui ont fait une enquête, et parce que ministre tout. Par responsabilité pour dénoncer, par contre, pour dire ça. Moi-même, c'est tout le monde qui vient. Depuis la karaté, tout le monde qui vient. Je suis venu dans le karaté. Bon, c'est dommage, mon adversaire, frère, je n'ai pas de la balle aujourd'hui. Là, grand, c'est de bâiller, mais qui va bon, mettre ma face. Et il en est de même pour continuer là aujourd'hui. Moi-même, toujours après bagailler, pour se faire des potes, commencer pour dérive depuis quelques temps. Parce que le monde qui veut dire rien, pas fait texte, il dit, il n'y a pas quitté aucun groupe qui a passé. Bon, c'est un niveau mesquin, vous voyez, que nous détruisons pays en net, que nous goûtons et nous délivrons le pays. Mais maintenant, mais c'est l'âme qui est chargée, monsieur le ministre, et non pas quoi que le coût supérieur des comptes au-dessus des lois. Ça veut dire non, que. Non, pas au-dessus des lois, c'est là, oui. Et bien, c'est ça commencé pour nous changer les lois. Il y a même des courses, ça va y avoir comme d'eau. Comme d'eau et danger. Comme d'eau. Allez, viens garder dans son drama, bon bagaille. Il y a dit non, ni il y a retourné ni. On prend numéro contrat par inscrit. Alors que numéro contrat à la gang, il veut le tourner. Mandez tout le monde à l'école dans ce conseil des comptes. Mandez 32 contrats pour nous être capables de créer un emploi dans Port-au-Prince, pour nous créer en 700 à 1000 emplois dans Port-au-Prince, pour nous bloquer le tourner. Pour qu'ils soient tournés. Mandez tout le journaliste qui m'a regardé. Si nous aimons le pays, vraiment, et quittez de côté logique mesquinerie. Faites minimum de quête. Et c'est là une question du président pour se faire des comptes là. Est-ce que pour n'y a pas fait du contrôle pour se faire des comptes? Et non contre Avini, est-ce qu'elle prétend lui-même, lui met tout l'autre monde pour est-ce qu'elle a bien agi? Reconnaissez que d'avoir faute que toutes. Vous êtes toutes dans la même genre. Qui doit l'agression, mais l'enquête après une partie politique bien spécifique. Parce que qui a ici pour gagner pour le bloquer? Là, en tant que ministre, ou son ministre l'État pays, pas vrai, ou pas ministre aucun parti, ou c'est ministre l'État pays? Tout le monde. Et ministre tout le monde. C'est ça que ma boue, bagaille même pour le monde qui continue. La baille pour moi, même pour le monde, pour la bon pour lui. La boue pour le fait pour lui. Ministre, non, et note de mise au point, et coup supérieur de compte là, on va dire,
nous accuser pour projet que nous beaucoup même voué. C'est comme si nous avons fait une fuite en avant pour t'a dit que et bien coup supérieur des comptes parce que nous point autant que ouais c'est monde qui fait que nous pas atterrir. Alors ce que je dis c'est pas ça du tout parce bon, que bon, 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 comme on pas atterrir, bon du mon bagage. C'est bon du danger mon. C'est pas danger, c'est pas danger, c'est pas danger, c'est pas danger. Et Jacques, Jacques. C'est Jacques, bon Jacques. Mm-hmm. Jacques m'a pas habitué à bon pour être mon connaît. C'est nous deux et nous deux qui fait bien. Jacques m'a dit vous très compréhensif. Nous t'a dit souvent même pas connaître physiquement, pas au du mais c'est quand rencontrer avant bon c'est au même. Mm-hmm. Bon, Dieu, monsieur, développement, c'est pour un bagage qui fait un seul monde, un petit groupe monde. Mm-hmm. C'est tout le monde qui pourra viser dans le pays pour entrer dans la dynamique de développement. Mm-hmm. Et logique, le fait que y a des institutions, il n'y a pas besoin de développement, il y a presque un coup de bagage à viser la loi, et puis dans la loi, plein de mesquineries et de compréhension. Mm-hmm. Bon, tout le monde constate, nous. C'est dans le monde qui a dit, pas parce que ça, qu'il a fait ça, non. Alors, dans le bagage, vous posez des questions. C'est ça, vous voulez, c'est ça qui est bon pour vous, c'est ça qui est bon pour moi. Mais allez, vous savez, vous voyez ce que vous avez des problèmes. Ce n'est pas qu'on y a envoyé un projet pour résoudre pour nos fonds viaduc au niveau de Gérald Bataille, blocus qui est dans Gérald Bataille, pour finalement, c'est donc à délibérer le peuple. Bon. La loi a dit que vous gardez 8 jours la caillou pour trancher. Mais... Si vous gardez 8 jours, je vais me corriger, même si on peut dire que vous n'êtes pas bon, je vais me dire que vous dites que vous n'êtes pas bon. Mais vous n'êtes pas bon, vous n'êtes combien de temps pour vous bailler. C'est la loi. Et... Ça, comme si vous-même, parce que vous n'êtes pas sur les côtes, vous n'êtes pas sur les côtes, et vous n'êtes pas sur les côtes, parce que vous n'êtes pas sur les côtes. Ministre Adam, mais ça me fait. Jean, vous parlez là, et par rapport à notre et coup sur les côtes, on dirait que. Ou dit chaque bourri que bon en pâturage. On dit chaque monde grand monde la caillou comme si intérêt pays là on va côté le passé. Ouais ou intérêt pays. Regardez tout bon Dieu, bon pour l'autre domaine qui pas domaine moi. Bon pour l'autre domaine qui pas domaine moi. Pas qu'on se fait créer ça mon vin pas juste à la caillou même pas fondé et puis on bagarre. Et gros problème qu'on a dit oui son dans pays. Le ministère de la Santé publique fait des contrats pour acheter des bagages et gagne pour sauver la population. Gouti a dit 2% de plus élevé là-dedans, il n'y a pas de plus. On suppose que l'erreur qui a glissé ou bien l'erreur volontaire ou bien le ministère de la Santé, il va devenir 2%, c'est abdi dans l'arrière. Qui ça pour approuver ou demander, soit pour mettre l'un de contrat pour enlever 2%? Monsieur, c'est développement à faire, monsieur. Son pays lié, si combien de monde mourir dans le pays, qui ça n'a pas de problème? Non, mais parler de 2% et ministre, dépendamment des quantités, ça peut et ça a fait une grosse somme. Monsieur, moi-même, je fais science du développement. Ok. Là, c'est pas au bon moment. Si c'est au bon moment, tu es corrigé, bagala, on va faire textuellement sortir. Mais là, c'est minoyer au bon jugement, bon approche, ou prenez, ou quand je manière pour jouer un résultat qui a beaucoup majorité de population. Moi-même, la logique de développement, c'est pas oublié, non? C'est pas qu'on consulte des comptes. Moi, pour le juger, nous avons tout pour l'île. Pour se faire des comptes jugés a posteriori, cependant, l'un problème qui cabaille problème, l'un danger qui cabaille problème, l'un par l'étude des bagailles, avant de procéder, m'a pas prouvé, parce qu'analyse, mais c'est après. Tout le monde a analysé pour ça pas poser. C'est ça que je montre dans la logique de développement. Mais je n'ai pas transcendé. Bon recul pour nous apprécier les bagailles pour le développement. En fait, imaginez-vous, si pas de masse, pour tout le monde mourir dans l'arrière, et nous avons assez de graines par graines. C'est ça qui s'est dit. Cap dans l'autre bagaille, gouvernement irresponsable. C'est ça que je n'ai pas dans la logique. Si nous ne sommes pas avisés, pas bon recul, pas transcendé. Et ministre. Et quand vous faites, parce que même dans l'eau souvent, et d'ailleurs, c'est journaliste sportif, ça veut dire qu'on va comprendre que je parle souvent d'ingénieurs Nader. Et quand dans l'eau dit que bon règlement, pas gâte les amis. Est-ce que c'est pas ça que le Cour supérieur des comptes a demandé de nous que
tout bagay au fait dans les normes claires et puis nous avancer. Ça c'est les normes, non dit pas les dates là. Ça c'est les normes, non dit qu'on s'en va pas poser tel bail comme bon bagay. Vous dites même pas les dates c'est actuel dans contrat là, c'est les normes. C'est pas nom tout, Léo, c'est pas nom tout. Léo, du parquet doit garder puisque 8 jours, garder le 45 jours là. Jean-Claude, vous avez dit, ministre, si nous avons un document pour te prouver, pour te montrer, nous avons pu aller dans la dynamique. Mais maintenant, pour qui ça, c'est nos logiques de confrontation, nous voulons rentrer, parce que si nous avons un dollar, c'est comme je vous dis, coup supérieur des comptes, nous ne pouvons pas faire, nous pas chercher sur vous. Non, oui, sûr, j'ai pris un même mandat pour suivre des comptes qui n'ont pas mis une enquête pour elle. Mais ça me dit, mais pour un projet, pour nous créer 32 emplois à petit et moyen entreprise. Ils ont voué les bagailles, ils ont voué le ballon pour nous essayer de mettre. Ils ont dit, nous avons trouvé trois propositions, c'est-à-dire que nous avons trois pour format dans trois entreprises différentes. Toutes les entreprises ont gagné même coût, ou pas besoin de trois pour format pour même coût. Ils ont mis la donne et le contrat vient indiquer nous, pas gagner l'eau, chaque monde a un seul bagaille la donne. Et c'est qu'à niveau qu'a fait, c'est pas l'eau, c'est comme si nous, on vous par exemple, aux oies durant, qui doit gagner 2 km qu'à niveau, nous allons faire 600 mètres, mais ça fait 600 mètres, nous allons faire combien de mètres carrés pour toi, nous faisons tout pour toi, pour tout le monde travaille créé, tout le monde a chanté dans le porte et puis tout le monde a travaillé qui est content. Bon, mon petit temps, tout le monde. Et contrat par date de signature. Alors, contrat par date de signature. Pour essayer par méchant ou bien ignorance totale, doublé dans mes chaussées. Et je dis comme ça, prix unitaire, là, il n'y a pas besoin de prix unitaire parce que c'est comme si gaz, ou qu'on gaz à 79 gouttes, on fixe ce soit, ou bien on dit 79 gouttes, on dit, mais si on veut l'assurer dans notre monde, est-ce qu'on a donné 78 ou 80? Oui, on prend 4 ou 80. Qui plus unité encore de ce Seigneur? Nous, c'est pour nous tous comprendre. Menez enquête là. Moi-même, quel soit le prix payé, c'est bim. C'est bim. Si vous avez attaqué, je ne vais pas dire qu'il a attaqué, je ne vais pas dire que c'est pour se mettre des comptes. S'il vous plaît, je ne vais pas dire ça. Par contre, il y a votre dynamique là. Il y a l'eau, on veut business familial, il y a le tout vite, c'est pas business familial, patati patata. Ça pas nul. Moi-même, je ne vais pas passer dans la rue. Je dis pas ma chère, je suis venu, je suis venu, mon âme a dit mon prochain, tout le pays. À Lisbonne, université du Portugal. Et ministre, entre-temps, semaine ça, ou bien travailler parce que c'est la pluie tombée, et nous connaissons chaque fois la pluie tombée et dans la capitale là, pour y avoir encore un bon dégoût de la pluie tombée. Et comment, parce que nous connaissons le terrain, comment vous prenez le dernier moment ça pour essayer et peut-être amélioration dans la question. Et curage, canot, etc. Et par rapport à des gars de l'eau à café. Bon, curage, n'a plus canal partout et partout, oui, dans le pays. Donc, Simon Noël, certainement, suite à la guerre qui était gagnée dans le village de Dieu, et bien qu'il n'y ait pas de problème pour notre village de Dieu, moi, on est des opérateurs chauffeurs. Yo très inquiet, yo pas rentrer qu'on y a pas un trop problème n'a tué yo pour écoulement fait même si en amont au curé mais en aval si exitoire là c'est-à-dire la mer là doit pas rentrer dans la mer là a bien seulement temps de concentration cabine créer un refoulement normal pour en surface qui entraîne ça mais ça mon yo constater m'a regardé dans l'autre pays du monde là on l'a fait 30 minutes doit envahir tout mon yo ça yo pas constater m'a au green patra là dedans en Haïti certainement temps en temps à vous montrer mettre d'autre dans la rue oui d'autre dans la rue. Je n'ai pas de doute de ça. Même si il y a certaines gardes quand tu te fatras, est-ce que ce travail public, c'est le ministère de la République qui mette qui mette en canal? Est-ce que ce n'est pas façon de nous gérer la question fatras, non tout, ministre?
Ça veut dire que nous... À la limite, oui, parce que moi-même, 4 fois 3 hommes, 12, si on m'a dit vérité, côté vérité, je m'a dit, je ne vais rien pour me cacher, parce que le pays a intéressé, le pays a c'est la donne ma vie, je vais quelle que soit la situation économique, moi, il faut que mes pays forment nous, tout le monde. Certainement, la gestion n'est pas bien faite. Et hier, dans le Conseil des ministres, il y a un ministre de l'Environnement qui dit un bagaille, et devant tout le monde, nous dit, ministre de l'Environnement, c'est eux-mêmes qui cap gérer les problèmes de patria avec le CNDS, s'il vous plaît, d'arrêtement, garder l'hôpital. Ça dit, si vous avez un photo de salle, vous trouvez beaucoup dans la saleté de votre personne. Moi-même, quel genre de monde c'est de même, pas de ma parole là. Il y a un OMRH pour des hommes, et bien, pas content. OMRH, vous avez un paquet de bagages au OMRH, depuis 8 mois, depuis plus de 8 mois, pour que vous nous touchez, c'est là l'autre jour là, la boue est tournée. C'est moi-même, c'est pour famille, quel genre de monde qu'on passe avec, qu'on parle même. Pas des personnes, nous-mêmes. Son pays, on a tout gourmet pour nous changer le pays. C'est pour le président Jovenel seulement qui a gourmet. Ce n'est pas lui-même seulement. Ce n'est pas pour le ministre seulement. Il y a tout qui pour gourmet. Quel que soit le niveau dans l'État, gourmet pour changer l'autre des choses, pour changer vie. C'est vie pour nous changer. C'est pas que vie pour changer, pour mémoire, les accueils, dans l'air conditionné, dans belle bagaille, pour manger, pour oublier l'autre. Tout ça, l'ouverture. Des salines, Christophe, c'est bien heureux. Je dois servir des blancs, mais bon, l'être arrivé, je peux garder des blancs, garder ma fiscale de cap sur le mur, pour la jeune. C'est ça, mon ministre. Et ministre, et où on est sur télévision, même dans tout. Et puis, actuellement, la télévision, non, et boulevard à Ritouman. Ça nous est, nous ne va pas parler. Et parce que. Non, et... le boulevard à Ritouman, c'est normal, nous mettons une semaine, ça l'a changé, pas bien, mais dis-nous, nous ne pouvons pas traverser, boulevard à Ritouman, c'est fermé. Et nous entrer la donne, nous entrer la donne, et nous entrer la donne pour notre travail. Mais chaque jour, pas oublier, c'est le point bas. C'est le point bas et dans un pays qui est plus bas dans Port-au-Prince, boulevard Ritouman. Tout ça tombé qui est en amont, c'est là où vient poser pour entrer dans la mer, il ne peut pas y avoir, puisqu'on connaît la mer là totalement construite construit d'une manière faut la rencontrer avec M. Super et Kou Super Yadek Kontio. Ça fait déjà. Parce que faut l'entendre, entendre pour l'entendre. Ça fait déjà. Bon, je souhaite que responsable, ce n'est pas juge qui est en dedans, parfois, qui est irresponsable. Moi-même, pas besoin de monde, pour sensibilité pour moi. Pas besoin de ça. Pas besoin de monde aucune beauté. Moi, besoin de monde faire job pour là, honnêtement, avec caractère, dynamisme, tout savoir-faire, seul des responsabilités. Pas premier ministre, on va prendre premier ministre si on rencontre avec ou non, mais premier ministre sont monde très dynamique, la rencontre avec au moment opportun, et là je vois comme ça doit. Et je souhaite que tout le monde joue au c'est pour question d'émotion, de sentiments et de groupements qui a pris dans le pays, hein, sur question des pays. Moi je souhaite que tout le monde comprenne et m'a profité de publiquement. Qu'est-ce que des comptes patronales, qu'est-ce que des comptes par ULCC, qu'est-ce que des comptes par UCREF. Pour ce qui est de l'instance qu'il a, pour bailler bien fait, tu vois, et pour mener une enquête, pour bailler, pour l'auditer tout le monde, pour les forces d'État. Pour ce qui est de l'instance là, pour blocage. Pour ce qui est de là, surtout pour venir à posteriori, mais avant de venir à posteriori, pour éviter les dégâts, il doit mettre attention à la guerre des dégâts. Ma bon, ma pas prouvé, mais corriger ça, mais sinon, la bon problème devant. C'est ça seulement là, pour faire. Non, mais écoute, tout le monde est clair pour nous faire développer dans le pays. Ce n'est pas qu'à bloquer tout contrat qui vient, partout de bloquer, comme si ce sont gros bagages. C'est même, nous allons le faire tout. En dedans, on sait, c'est gros professeur, pas du monde, puisqu'il va là, n'a pas de médecin. Il y a toujours avec nous, comme gros professeur. La majorité n'est pas pour comprendre, et puis pour être content que pour a bien fait qu'il faut. Alors, on pense qu'on est venu, tout le monde comprend. Non, mais, ministre, on considère ça contre tout petit. Kousoupe, on ne compte pas là seulement pour ça. Puisque la boule est avis favorable ou défavorable. C'est-à-dire, souvent, peut-être, ça va d'accord avant. Non, en principe, c'est pas ça. Et financier en section administrative. C'est le premier tribunal administratif qui gagne, c'est le Cour supérieur des comptes. Il doit faire financier. Quand l'État a un nom ou dépensé,
sous-dépenser le mal pour dépenser le mal, c'est comme code prévu ou le bon code. Lui, là, c'est surtout a posteriori. Mais lui, là, tout, pour le dire, regardez notre président pour se faire des comptes à côté sous lui dans l'esprit. Lui, il y a des dégâts qui ont causé très mal. Lui, il n'y a pas une relation entre là et pas bon. Même pas, lui pas de droit de pas travailler, mais c'est tout le monde pour changer, même comptable public. Lui pas de droit de pour déficier un MPC, bon, avis de conformité. Hein. Lui même, il était de là pour enregistrer et puis pour te dire, faites attention, bonne chance. Lui enregistrer la caille, pour dire, lorsqu'il travaille, ou bien pour moi, est-ce que comme ça, pour bien utiliser. Sinon, ferme pour pas bien décharger. C'est là, là. Même pour aider. Mais je tout le monde comprend. Pour aider, dit nous non, attention, ça va mettre le contrôle en danger, sous capable de dégager ou corriger le point. C'est mais, ça lié. L'idée, c'est ça. Ministre Ader, comme gros et démocrate, et parce que vous avez respecté, depuis son nom, c'est sportif, vous acceptez l'adversité et vous remet l'adversité pour passer par chemin. Bon gros mot là, remet l'adversité, ça moi même. Ok. Vigne ce combat. Ok. Mais maintenant, est-ce que pas gagné, et que les gens, que les observateurs ont dit, pour qui ça gros changement ça a osé qu'on a voulu faire par rapport à la Cour supérieure des comptes, là par exemple par le Parlement pour problème n'a posé pour et changement pour tag pour faire dans la loi yo t'a fait. Ou est le Parlement d'abord même. Ça c'est le Parlement a pas fait ça mon cher. Ingénieur, c'est le Parlement là. Je dis à tout pour chaque parlementaire pour continuer le regret de passer dans le Parlement ça. Non mais j'ai un des bombes du bagaille et si pas le Parlement comme si mais ça nous menons en tête oui. Mais non mais écoute ingénieur faut ficher pour chaque parlementaire. Mande le commande ou verbal à l'Abdoulie. Oui, mais c'est comme si vous dites pas de exécutif tout. Oui, j'ai rien parce que exécutif là, il y a majorité ni dans le Sénat ni dans la Chambre des députés. Il dit président Jovenel Moïse, il a fait saluer avec lui en tant que majorité lui. Qui parlement? On parle de forme vraiment. Parlement ça pour une majorité. Non, j'ai rien à dire. Président Jovenel Moïse, il y a majorité ni dans le Sénat ni dans la Chambre des députés. Maintenant, s'il pas réglé un lien avec majorité là, ça sont notre bagaille. C'est ça au fond quoi. C'est des politiques qui ont droit à un bagaille. Parlementaire, c'est même si on a du contrôle sur le soleil. Quoi ça? Si on a du contrôle sur le soleil, quoi? Chaque même. Ou quand on a contrôle sur le soleil, matin, après-midi, ou pas, même en tout, mon bagaille. Vice-versa. C'est même si on a parlement. Parlement, on a droit à même nek ça qui l'a caillou, combien qui te l'a caillou, dédé à contre. C'est ton paquet de raquettes, mettre dame qui était en bas. C'est ça, c'est que tout le monde te connaît. Tout grand parlementaire, on est sérieux. On est pour Francky, Francky Abdou, ça peut se mettre dame qui était en bas. Oui. Mais c'est Francky Abdou, ça a parlé. Même si on a un bagage pour petit là, footballeur noir. Et entraîneur football noir. Patrice Dumont. Dis-moi, Abdou, c'est mettre dame qui en bas. Mais toutes ces mecs, dames, toutes ces mecs, des fonds de barrière, c'est tiré, c'est un monsieur, avec Gatéo, quoi. Gatéo. Mais est-ce que. J'aurais pas le menteur, vous dites que ça, président Jovenel Moïse, vous êtes toujours génadé. Mon cher, bon, non, souhaitez pays ça, abdion notre pays quand même, on met quoi même. Abdion notre pays, et puis, nous souhaitons, bon, notre constitution qui vient lever tout le monde. On notre constitution qui fait tout le monde tout éclair. On constitution qui part. Sont décrits sous émotion, sous sentiment, sous partisanerie. Mais il laisse ça tout pour nous. Moi-même, moi, pays ça, par exemple, il y a des gens qui sont Jésus. Et pas bien Jésus sous terre. Mais il y a des gens qui sont trop graves, qui sont trop malades. Et maladie, ça, même une bagaille qui a beaucoup de monde détruit, nous empêcher le peuple. Comment pas bon pour tout le monde? Comment pas bon pour tout le monde? Comme si, monsieur, chaque fois dans les mensonges, bon recul. Et de la caille, non? Quel problème qui est courant pour nous bâtir ça, mais c'est corriger ça vite pour nous faire, parce que c'est important pour tout le peuple, pour tout le monde. Parce que tout projet, des grands projets, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire du président seulement, l'affaire du gouvernement seulement, c'est l'affaire de toute bonne société civile, tout le monde et droits humains, tout le monde. Mais pour faire partie des droits humains. Mais quand même, et ministre Ader, mais là, il y a un gros ton technicien, ça auto, capita, cap analysé. Pour un projet et conseil de petit bémol et conseil de faute
et matériel qui pas qui pas possible donc plus ça ne pas dit tout ça ne pas dit bon c'est des bagages n'a changé dans pays ça nous changer dans 4 minutes tout personne nous pas connaissait l'elle tomber sur l'île qu'on aime bon oui et je dis à l'amdou m'a profiter de tout bagage moi même pour même bagage puis nous vient pour chez là à carrément ma famille en commencer son pays qui malade dans tout pays. Nous changeons le système de loi comptable là. Pas grand monde qui connaît en administration sérieusement. En cas de nous changeons pas quelque loi. C'est l'arrivée de bon comptable public et tout. Il n'y a pas de signer ça. Il n'y a pas de signer ça parce qu'il n'y a pas de faire ça. Oui, mais c'est pas comptable qui change. C'est l'État, oui, qui change. C'est l'État. Bon, c'est l'État, c'est pas aidé totalement le gouvernement. On peut parler de l'État français, l'État américain. Quel que soit le gouvernement, le système a changé, tout le monde a surveillé ici. Quand on peut en payer. Mais c'est ça que même toujours dit. Pas pour qu'une loi occident pour bien placer dans le pays, ça ne faut pas qu'on fasse un débat pour faire tout sensibiliser tout le monde. Bon. Après, on a entré dans le système. Là. Comme bon, on a parlé dans le même état, on a dit. Et le directeur de l'Andersa, qui travaille, il a fait à niveau routier assainissement. Pour le comptable public de l'Andersa, assainissement traduit de Vépatra et dans la rue. Il parce qu'il fait à niveau, il dit le pape Sien, parce que ce n'est pas assainissement. Et le pape Sien, vraiment. Alors, ce pays, si tu fais, vous venez à loi ça, tout comptable public, vous te faites des conférences, des débats avec vous, vous te faites un grand livret, vous faites des routes, qui dit tout le bagaille, problème de la pose, même si vous faites malade, monsieur, malade, avec le M. Bon, en tout cas, j'ai un adhère pour nous aller. Nous te comptons qu'on a avoué, j'ai un adhère, nous parler, nous causer. Mais nous souhaitons que Fogba ait réglé tout dans le dialogue, oui, ingénieur. C'est pour dire, non. La prise de respect, monsieur. Je vais dire un bon mot. Moi-même, Fabi est son sportif. Mais, mon goût, mon aigle, blessé, bagaille, non, fini après. Moi-même, c'est pour question. Je n'ai pas de problème avec personnage et que je vais défendre. Non, non, non. Je vais défendre l'intérêt pays. Je vais défendre l'intérêt pays dans mon lion. Fini de défendre l'intérêt pays. Je vais gagner la bagaille comme moi, je vais m'en forme. Et puis, d'ailleurs, on a parlé, on a discuté ensemble. Mais quand on a été un pays menacé, c'est ça nous différencie tout le bagaille. C'est on a regardé les quatre boumés au bois, qui a fait boumé en l'autre, a baissé le monde, regarde comment on va se mettre en bout. C'est ça qui fait qu'on est un grand sportif, son équipe transcendée, son équipe grand recul. C'est pas une équipe mesquin. C'est pas une équipe qui a une logique de haine viscérale contre le monde qui bagaille. Non. Mais c'est le monde qui a dénoncé tout le bagaille d'estimer qui mal qui va bon. Kembe la ministre, c'est toujours un plaisir pour nous causer. Merci à Pile, Kembe la, merci à tout auditeur, auditrice, Radio Pacifique, qui a fait un bon travail et avec les journalistes. Merci PDG HR qui était le mien, en tapis, qui est capable de parler avant. Moi ici, je m'apprends aujourd'hui. Merci à Pile tout le monde. Bye bye. Merci à Pile et PDG. En tout cas, on a essayé de regarder pour nous comment la situation est en bas. Et deuxième partie, nous allons consacrer avec les affaires insécurité et puis l'école là. Et m'a pris les ministres à Gino Cadet, avec balais. Monsieur ça, lui-même. Et parce que il répond, mon livre. Et tout à l'heure, on a tourné avec notre collège canadois ici, Météo de Yoa. Et ma paix, c'est jeune frère Nelson. Tout à l'heure, le téléphone était sonné. Malheureusement, qu'on n'a pas sonné encore. Mais on a passé le téléphone frère. Puis il n'a pas déchargé ou encore. Il y a un autre rendez-vous. Mais on a paix, c'est gardé pour nous par rapport avec l'incident hier. Pour nous porter plus d'explications et précisions pour nous. Restez avec nous, mesdames, messieurs. On a tourné. Et après, pause de la poire. Il est déjà 8h. Il est déjà 8h. Pour les seigneurs, pour la patrie, au Dieu des preux, au Dieu des preux, c'est un gars infini, un autre vie, au Dieu des preux, au Dieu des preux, pour les seigneurs.
Ou kon doua nan travay, doua pou jwenn ti mòsò la jistis, doua pou fè respekte byen ou ak lonè ou dinite ou libèté ou. Pacifique FM a prezante ou le mò du doua. Doua mental ki pou di fiyate nou. Avec Maître Rodrigue Dumas. Yon succession composée généralement de deux éléments, à savoir actif succession, que c'est toute sa défunt qui était comme bien, avec ou kay, terre, compte en banque, etc. Et passif succession, ça veut dire toute dette mon amour quitté. C'est pour ça la loi offrit héritier et défunt trois possibilités par rapport à succession. Et chaque possibilité ça yo entraîne des conséquences pas yo sur dette défunt amour quitté. Héritier a des possibilités ou bien pour les accepter succession purement et simplement, ou bien pour les renoncer à succession, ou bien encore pour les accepter succession sous bénéfice d'inventaire, ça veut dire après les fins faits inventaire. Acceptation pure et simple entraîne comme conséquence pour héritier pour les payer toute dette défunt. Et ce, quel que soit montant de taille, et même s'il est obligé de vendre bien personnel pour le payer. Yo. Acceptation, ça veut dire l'acceptation pure et simple, capable de prendre deux formes. Les gens doivent faire de façon express ou bien de façon tacite. Express, c'est le héritier a exprimé volonté formellement, non papier li signé ou bien devant notaire pour lui dire d'accepter héritage là. Tacite, c'est le même si héritier a pas signé aucun papier pour dire à clé d'accepter héritage là. Mais nous posons une série de actes matériels ou juridiques sous bien défunt en qualité d'héritier, tant que par exemple, lui décider d'installer dans caille défunt ou bien tomber dans toucher loyer caille etc. Et depuis un héritier fin accepter héritage monde qui mourir, que ce soit expressément ou tacitement, il pas capable de renoncer à la succession et par voie de conséquence, il est obligé de payer toute dette succession et ce même là c'est un impôt bien parlé. Dans le cas où passif succession a dépassé actif, ça veut dire défunt amour qui était plus dette passé bien, tant que Jean nous a expliqué là. Deuxième possibilité, la loi offre héritier, c'est que les capables choisir renoncer à la succession. Mais contrairement à l'acceptation qui peut se faire expressément ou tacitement, la renonciation ne se présume pas. Pour un héritier renoncer à une succession, avec aide à Rocali, il y a bien pour lui remplir une série de formalités, notamment pour lui faire une déclaration dans le greffe tribunal première instance côté succession à l'ouvrier, ça veut dire tribunal dernier domicile défunt, pour dire à clé lui renoncer à succession. Mais entre deux premières options, ça y est, à savoir l'acceptation pure et simple, que ce soit l'acceptation expresse ou tacite, et la renonciation, la loi, pour ne pas clair, article 652 Code civil là, offre héritier à une troisième possibilité, qui c'est l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. C'est une option intermédiaire en deux autres options, nous sommes expliqués là. La solution, ça a protégé héritier sous plan financier, en ce sens qu'elle permet tout d'abord faire un inventaire qui habilite l'arrivée comparer actif avec passif succession. Ça veut dire tout bien défunt quitté par rapport à toute dette li, et s'il constate que dette tout dépasse bien, il renonce à succession et abandonne à créancier défunt. Ça veut dire tout le monde était doué avant de mourir. Et dans le cas contraire, si bien yo dépassé dette yo, héritier a gain droit accepter succession pendant le pays dette yo et garder excédent actif là sur passif succession. Mais même Jean de expliquer là, dans le cas où héritier a décidé renoncer à héritage là, pour l'accepter sous bénéfice d'inventaire toujours avec aide avocat, il y a bien pour le remplir une série de formalités, notamment faire une déclaration dans le greffe tribunal côté succession à l'ouvrier. Et dans souci pour permettre héritier a gain assez temps de vendre pour recueillir toute information sur actif et passif succession et permettre de prendre une décision telle proposée qui protège le sous-plan financier, article 654 Code civil là, balayé en 3 mois pour faire un inventaire qui établit tout bien avec dette succession. Et après les 3 mois, ça, héritier a gondi les 40 jours encore pour dire si oui ou non et accepter héritage là. Maître Rodrigue Dumas, Pacifique FM. Rete branché. N'a tourné talent. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Est-ce que vous connaissez bonjour, c'est un petit mot de syllabes qui ca l'ouvre toute porte? Ah oui. Est-ce que vous connaissez tout un simple petit bonjour qui aide un prochain passer une bonne journée? Ça, c'est vrai. Dis-moi bonjour, m'a dit ou bonjour, comme ça la vie va plus belle. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer rapport mon ak moun dans pays a. Subaru, boom boom, tapa tapa, ça c'est Subaru. Yes, Forester, crash check, ça c'est Subaru. Boom boom, tapa tapa, ça c'est Subaru. Grippy money,
c'était moi. Kage chaise, malaise, moule et soir. Qui machine lick, swap, j'aime ne prie ça. Yon machine japonaise, wadi konichiwa. Konichiwa. Kado chassis, machine de classe. Si c'est toi le vire, gade les ma passe. Otome kado vitesse, gado sécurité. Kodra pas ka passe, kon souba ou toujours passe. Foniste, crash check, ça se souba ou. Voum, voum, pa kat, ça se souba ou. Je peux mon nègre du sol, souba ou. Souba ou. Pake bon en washa, aime le souba ou. Souba ou. Foniste, crash check, ça se souba ou. Sous ta reme gon soubaou, même j'en vem, vin jouen nou nan Automeka. Adresse 22 boulevard Toussaint Louverture sous Woutayou Poa. Téléphone 2941-2544 et 2941-2545. Et sous net la, automeka.com. Compagnie nou en relé Pinson SA. Elle pa gen aucun autre nom. Pas prendre faux mamite, pas prendre imitateur. Directeur compagnie c'est Tipinson Tetnob. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque deux ans, il est obligé de passer un examen pour voir si monsieur au courant dernière technique et dernier produit qui gagne sur le marché. Donc Tipinson Tetnob certifié comme spécialiste dans le combat du fait. Pinson SA. Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseils déco ou commandes personnalisées, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout, le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, ou près de vous, à travers la technologie. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Haïti vive au Cap avec 87 chaînes. Mon Cap va déchaîner. Passez près de l'Haïti pour là, la locale Access Haïti ou bien Aïnet qui pipe là. Ou carrément nous tout. L'an 2943 3000. Entendu au dit depuis l'appli tombé toute l'autre disparaît. Nous même télé Haïti vient avec toute parapli. Avine dit ça. Chauffeur propriétaire machine qui t'a remé teinté. Filmer vite machine yo, ou bien qui déjà gen vite machine yo, filmer tenté, DGI voye fait nous connaît, article 10 décret budget 2019-2021 fait nous obligation pour nous passer dans direction générale impôt qui pi près ou là pour venir payer pour ka joindre autorisation. Mes documents pour nous porter, papier machine nan, faut ou pas doit vignette, matricule fiscale, permis de conduire,
pièce d'identité valide ak montant l'argent qui c'est 10 000 goud. Pour institution ak entreprise yo fòk yo pote kitis fiskal ou patente valide, carte d'immatriculation fiskal, papier machine en règle, papier assurance valide et puis preuve paiement qui c'est 10 000 goud la. Pas oublier, autorisation pour vite filmer a pas empêcher la police rete machine nan pour faire travail contrôle qu'elle était toujours qu'on fait pour garantir sécurité tout le monde. Si ou pas gen autorisation DGIA, ou ap pran contravention 20 000 goud. Marcher à autorisation dans machine ou pour pas aller nan raconter et puis payer contravention tête nèg. Pendant pays États-Unis, Haïti ak partenaire régional yo ap travay pour préparer une saison k ap pote en pile cyclone pendant pandémie COVID-19 lan. N'ap déconseillé migrant yo pour yo pal aventurer yo prend bateau pour faire voyage dangereux sa yo qui ka même la cause lan mort. Dernier groupe 266 haïtiens que yo té mené retourner au cap haïtien après autorité zile teken kay coste kembe bateau t'ap voyager yo montrer yon l'autre fois encore que c'est la peine pour nous risquer la vie nous dans gens de voyage ici là yo. Pays États-Unis partage des pays d'Haïti pour yon des meilleurs pour peuple ya. Et puis nous continuons à travailler pour yon Haïti qui plus sûr, qui gagne plus sécurité et puis plus prospère. Ton référence BRH pour jeudi 10 septembre 2020 c'est 94,08 pour yon dollar américain. N'a pas rappelé tout le monde. Taux référence BRH calculé et puis publié pour journée 1, c'est résultat transaction acheté dollar qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublier, taux référence là disponible tout temps sous site BRH là www.brh.ht, sous compte Twitter BRH, BRH Haïti, ou soit ou carrélé centre contact BRH là gratis dans 94,08 pour un dollar américain. Radio Pacifique, qui nous branche, écoutez et puis tendez. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Pacifique FM. Plateau Central, Latimouni, Port-de-Paix, Fort-Liberté. Pacifique FM. NIP, Jacmel et puis dans la diaspora, à même passion. Radio Pacifique FM, notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule. La vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Il est 8h13. Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans la deuxième partie de cette édition d'information. Et tout de suite, nous, on va parler éducation par rapport avec la situation ça qui t'a régné hier dans la zone en bas de la ville. Et gagné plusieurs notes qui a sorti gagné ministère éducation nationale qui mettait note dehors et ce qui a trait avec attaque contre les écoles, le MNFP lance un cri d'alarme et interpelle la collectivité face aux menaces et aux attaques persistantes contre des écoles ce mardi 8 septembre encore à Port-au-Prince, notamment contre le lycée Fritz-Pierre-Louis, le collège Lunormalien et le collège Rogier-Englade par des personnes se présentant comme des élèves, étudiants ou d'autres. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle lance un cri d'alarme pour le respect du droit à l'éducation et la protection des élèves et des temples du savoir que sont nos écoles. Il est inadmissible, sous prétexte de revendications salariales ou autres, que des individus manipulent les élèves et continuent d'attaquer des écoles et violer systématiquement le droit à l'éducation et le respect de l'autre. Comment justifier de telles attaques violentes et gratuites contre eux? Des élèves et des personnels enseignants et administratifs, alors qu'ils se retrouvent paisiblement dans leurs établissements scolaires. Comment encourager ces violences entre les lycéens eux-mêmes pour assouvir des desseins cachés? Jusqu'où ira-t-on dans la déchéance de notre humanité pour s'attaquer ainsi à des humains, institutions ou d'autres symboles clés de la République? Eh bien, le MNFP réaffirme une nouvelle fois, rien ne peut justifier des attaques contre les écoles et les élèves assis paisiblement en salle de classe. Le BNFP présente ses sympathies aux victimes et à tous ceux qui ont été affectés par ces violences gratuites et aveuglées. Encore une fois, le MENFP interpelle toutes les citoyennes et tous les citoyens, les acteurs et partenaires de la communauté éducative, de la société civile, pour un autre éveil de la conscience citoyenne pour la protection des intérêts de l'école et du droit à l'éducation. Nos différentes divergences et où les revendications justes ou légitimes ne peuvent être abordées
que dans un cadre serein de dialogue, dans le respect de ce bien commun qu'est l'école. Le MNFP demande aux directeurs à l'école, aux enseignants et aux parents de jouer leur rôle de vigie auprès des jeunes afin d'éviter ces dérives où les élèves servent d'instrument pour menacer l'institution scolaire. Le MENFP renouvelle son engagement et sa détermination à protéger l'école et le droit à l'éducation en toutes les circonstances. Voilà, c'est une note signée par le bureau de communication du ministère de l'Éducation nationale. Il y a la communauté scolaire du Canada haïtien qui condamne avec la plus grande fermeté l'attaque violente dont l'institution a été l'objet ce mercredi 9 septembre 2020. Ces attaques, dirigées contre plusieurs écoles privées ces derniers temps, constituent une violation grave des droits des enfants et des jeunes. L'heure est grave. Les événements de la journée qui ont secoué le bâtiment du Collège canado-haïtien et toute notre communauté scolaire interpellent notre conscience citoyenne, car l'école, qui devait être un rempart et une source de sécurité pour les jeunes, est en train de perdre ses lettres de noblesse dans notre société, tout en déplorant la faillite des forces publiques. En pareille circonstance, la direction du Collège canado-haïtien saisit l'occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui se sont rendus disponibles en vue de l'accompagner dans la gestion de cette regrettable situation. Nous félicitons le comportement de nos élèves qui ont su ne pas répondre à la violence par la violence. Heureusement, aucune victime n'a été déplorée au milieu de notre staff et de nos élèves, même si des dégâts matériels considérables sont à déplorer. Vu l'ampleur des dégâts, eh bien, la direction du Collège Canado se donne le temps d'évaluer et de ramener le calme dans les esprits de toute la communauté scolaire du CCH afin de créer le climat de sérénité nécessaire à l'enseignement et d'apprentissage. Aussi, suspend-elle toutes les activités scolaires jusqu'au lundi 14 septembre 2020. Chers compatriotes, la violence doit s'arrêter. Les écoles doivent demeurer des sanctuaires, c'est-à-dire des espaces de protection pour les enfants et les jeunes. Ça n'est trop. Ces attaques gratuites doivent cesser, tout en vous invitant à la prière pour un changement profond de la société haïtienne. La direction du Collège canado-haïtien vous prie de recevoir l'expression de ses considérations. Distingué frère Augustin Nelson, directeur. Voilà pour cette note du Collège canado-haïtien qui lui-même fait bien pour te l'Ijoudia. Ac demain, oui, c'était loi. Oui, il y a l'ancien sénateur Jean-Charles Moïse qui accuse le pouvoir en place d'être responsable de la recrudescence de l'insécurité dans le pays, notamment dans les quartiers Bel Air et Bal-Elma. Selon lui, les membres de l'exécutif seraient de mèche avec les bandes armées. Il dénonce par ailleurs le fait qu'aucun contrôle n'est exercé au niveau des espaces frontaliers du pays qui servent de tremplin au trafic illicite d'armes à feu et de munitions dans le pays, suivant les déclarations de Jean-Charles Moïse. Nous matin, nous condamnons les crimes politiques yo, ou bien crimes sociaux et que jeunes filles qui mourent dans Cité Soleil, que étudiants qui mourent, que policiers qui mourent, que bâtonniers hein, d'Oval, nous demandons justice pour Mounzaïo. Et nous condamnons acte ça dans le pays hein, et nous tout profiter tout condamner ça qui a passé dans le quartier populaire. Bel Air, s'il vous plaît. On zone qui est victime en pile. Et nous demandons, mais c'est qu'à Goumé, est-ce que vous pas ouais, vous semblez l'autre? Moun kap mette zam nan men moun ghetto yo, kap encourage violence yo, c'est men sa yo qui pou coupe avant. Les men sa yo coupe, nous pas pour violence encore dans le quartier populaire. Parce que nous reconnaître, c'est gros autorité yo, mais c'est bourgeois yo, mais c'est politique yo qui la gagne zam nan men moun nan à travers tout pays ya. Nous songe l'aime sénateur de la République, nous d'après l'amré pour un bateau zam qui était entre Saint-Marc, directeur police là, Godson qui était là, au contraire t'a traqué. Mais voilà, vous venez d'écouter la déclaration de l'ex-sénateur Jean-Charles Moïse en ce qui a trait à l'insécurité. En lien avec nous, Edouard Poultre de Kenan, avec une parole ici gardée. Actualité à Guimpourre avec question violence, cap monté et puis bouche louvrie qui gagne entre exécutif là et la Cour des comptes sur certains projets. Monsieur Poultre, bonjour. Merci un peu pour disponibilité ou bienvenue sur Pacifique. Oui, bonjour Pacifique et bonjour à tout auditeur et auditrice. C'est un plaisir de vous nous parler.
Et son plaisir matin. Et pour nous essayer de garder là, on tape des Jean-Charles Moïse qui tape a fait constat pali par rapport avec cette remontée de l'insécurité au niveau de la capitale, mais pratiquement dans tout pays, à Edouard Poultre, au niveau de la société civile. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Ah bon, son pays qui basculé dans l'ingouvernabilité. Non, pratiquement pas gain dirigeant et pas gain et il pas proposé aucune solution et ou pas ouais aucune opération qui est appropriée à ça qui développé là et il pas bail aucune explication. Dirigeant yo va pas aucune explication et puis surtout yo pas rassuré personne dans communauté a sou ni qui ça y a fait ni qui gens pour nous qui ça y a fait pour colmater en tout cas brecho et ça son bail qui préoccupe nous, le pays a basculé dans l'ingouvernabilité là, et la violence. Mais maintenant, par rapport avec les situations, ça, c'est une situation que l'on vit depuis quelques temps et que l'on vit depuis quelques temps dans le pays à M. Poultre. Mais maintenant, c'est comme si nous gagnons même discours, que ce soit les journalistes, que ce soit les hommes et femmes de la société civile et les dirigeants. Maintenant, c'est comme si pas de monde qui est capable de gagner un lieu d'espoir dans le pays. Tout ça qui est pour avec insécurité. En garde pour nous, autrefois, il y a la Saline, l'Yves Moutel passé Bel Air, l'Idelma 6, l'Idelma 16, l'Idelma 18. Et c'est comme si la montée de temps en temps. Et nous songez dernièrement, Guy Barbecue, qui est ancien policier Jimmy Cherizier, qui te dit insécurité, il y a la Saline, mais très bientôt, la montée pour la jouer de monde qui est en royaume, qui a alimenté l'yo. Qui côté n'a pas arrivé là, qu'on y a dans le pays, là. Non mais c'est bête, c'est de la bêtise. Où gagne des dirigeants, monde qui au pouvoir, qui a géré la chose publique, qui a gouverné une communauté, qui a qui baille tête li mandat, mission pour les protéger. Et population a, et puis son seul bail qui intéresse lui c'est mandat lui qui l'a fini et il pas pour bouche lui pour pas dire que c'est au pouvoir lié, c'est lui gain pouvoir, c'est bon Dieu qui bail pouvoir, c'est ça seulement la répéter et puis exercice pouvoir ou pas où elle exerce le pièce côté et que dans l'arrogance et c'est moi je suis capable de meurtrir par rapport à mode leadership mode gouvernance à nous guerre et moi crois que je dis là et tout le monde rend compte que vous n'êtes pas capable de diriger le pays. N'importe qui monde dirige le pays. Et puis, on gagne une certaine mafia internationale, une certaine communauté internationale qui était bouche bée, qui n'est incapable pour le dire là. Et Haïti fait partie des Nations Unies et les Nations Unies confortent lui avec ce genre de situation, c'est lamentable. Mm-hmm. C'est lamentable. Moi-même, moins honte pour me dire que ma brise n'a payé ça. Mm-hmm. Et Jovenel Moïse, président de la République, eh bien, il l'a dit la semaine dernière et pendant que le passage lit dans le département Artibonite, particulièrement dans Savien. Président Dili m'a lagué l'homme dans Boudayo. Et là, il était fait référence directement avec et monsieur dame qui dans gang yo qui armé yo et c'est comme si après déclaration président, c'est comme si de l'eau maintenant moulin et bandi yo. La semaine dernière au niveau de bon, semaine ça en tout début de semaine au niveau de et de la commune de Tabor, quoi des bouquets, quoi des missions, nous ça qui a passé dans zone quoi des missions particulièrement et
ou ap mande tout qui l'autre côté qui pral répondre, qui pral reprendre. Est-ce que là jodi a là, on peut s'attendre à de l'aide de l'international pour résoudre le problème de sécurité dans le pays nous encore une fois, même si ça a dit en 2004? Bon, moi-même, écoutez, si elle a vini de façon incontrôlable, net, mon yo, c'est pas expansion seulement, il n'y a pas prêté comme ça, il est capable d'arriver même pour un pouvoir. Ou bien, il y a des gens qui soutenir, qui ont un pouvoir, mais bon côté, il est capable de voler gestion pouvoir, il est capable de mettre tête au pouvoir, bah là, pour l'incontrôlable net. Écoutez, Nations Unies, communauté internationale, j'ai toujours besoin de paraître en sauveur. Mais ça, pour nous tous comprendre, c'est que même si vous venez impliqué dans la question sécuritaire pays, mais il y a une grande responsabilité. Il y a une grande part de responsabilité dans ce qui est passé là. Et c'est à leurs yeux que groupes armés a contrôlé des territoires entiers. Pendant la présence, ils connaissent que ZAM avec munitions a sorti tout partout pour entrer dans le pays. Et ils ont gagné un renseignement plus passé sur qui est-ce qui a fait ça ou bien qui permettre que le fait, non, il y a une grande part de responsabilité et malheureusement, nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre comme sauveur si nous venons mettons fin parce que c'est aussi leur responsabilité, ça qui a passé dans le pays. Responsabilité pas yo, mais et c'est nous-mêmes qui avons subi et Zach Malfrayo. Et si nous capables de le conseil Edouard Poultre, et je dis à la, et par rapport avec des dons de matériel ou encore d'achat de matériel, semaine dernière, on entendait le Premier ministre là, qui a calé, et a cassé, pardon, maintenant, mais le directeur général de la police là. Deux jours après, et bien, le Premier ministre l'a bouté sur radio pour le féliciter, et même le directeur général de la police là. Et une série de matériel que l'État a acheté, des blindés particulièrement, et on a demandé toutes questions. À qui ça a fait face? Parce que à chaque intervention, à chaque sortie, eh bien, calibre de ZAM qui n'a mes bandits, eh bien, c'est comme si matériel de la police n'a pas résisté avec Edouard Poultre. Quelle expertise qui te gagne, elle a décidé, c'est tel bagaille pour acheter. Nous avons un gouvernement qui qui pas collé avec aucune situation, ni au plan économique, ni au plan social, ni au plan sécuritaire, ou incapable, incompétent. Incompétent, liquider les armes, entrer les munitions, entrer dans le pays, et en veux-tu, en voilà, droit, ni au aucun contrôle sur eux. Donc, c'est pratiquement permissible, son opération gang, il y a appuyé, il voulait lever contre, mais ça n'a pas passé comme ça, parce que tout le monde connaît, gang, même connaît, côté des gens appui politique pour faire ça à faire. Non, mais son situation extrêmement douloureuse, extrêmement qui crée un traumatisme dans le pays, un panique dans le pays, et différents couches sociales, différentes générations là qu'on y est. Ils ne comprennent pas rien comment un pouvoir qui a exercé un leadership dans le pays, et comment pour une situation qu'on a incontrôlable. Et puis, il y a besoin de renouveler peut-être encore au pouvoir.
vous comprenez, il y a besoin de renouveler peut-être encore pour voir, et il y a joué nos mafias internationales qui a baillé au back-up sous ça, et parce que le secteur mafieux, il y a un appui des secteurs mafieux pareil. Vous comprenez, parce que Haïti vit dans un pays chaotique, Haïti vit dans un pays mafieux, Haïti vit dans un pays délinquant, et donc toute la mafia internationale, trafiquants de drogue, trafiquants d'armes, moun kap fè blanchiment, c'est sous terroir, ça y rejoint pour multiplier business, pour faire comme, donc, et c'est ça qui a passé dans le pays, non? Et puis, il y a besoin, comme moi, il y a besoin de renouveler tout le pouvoir. Ouais, c'est ça qui est grave là. Oui, mais maintenant, il y a des acteurs au niveau de cette même société civile qui croient que eh bien, l'heure est, l'heure est aux élections. Bon, moi-même, il y a des secteurs effectivement qui pensaient que l'élection, c'est l'élection sur l'élection pour le travail, mais faut qu'on entente haïtienne. Nous pas une entente haïtienne. Faut nous travailler sur en 2003-2004, nous avons mobilisé nos contrats sociaux. Mais c'est un nouveau contrat, oui, qui pour gagner dans le pays. Mm-hmm. Et qui pour permettre que nous réduisons l'inégalité, et nous faisons des politiques dans l'éducation qui pourra joindre tout le monde. Nous faisons des politiques à regarder hier, ça passé, et des groupes d'élèves, naturellement. C'est pas élèves seulement. Le mêler avec des secteurs politiques tout, qui a attaqué Canabé haïtien, qui a attaqué Roger Anglade. Donc, c'est des situations. Nous besoin d'un grand entente haïtienne qui pour permettre que nous joignons stabilité, nous cherchons stabilité, et non seulement pour une stabilité sociale et politique, mais pour nous chita sur le progrès économique, côté nous pour joindre revenus pour que la population soit capable de satisfaire les besoins. Mais maintenant, et par rapport avec l'élément ça, il doit pour le trait que nous avons gardé à la, je dis à la, et c'est comme si nous pas entendons son bagay au niveau de la société, particulièrement au niveau de ce mini-secteur, c'est comme ça que nous sommes capables de qualifier de société civile organisée par Boris dans le pays d'Haïti. Et nous n'avons pas un grand discours, il y aura allé par rapport avec clivage politique et intérêt que nous sommes capables de gagner. Par exemple, et Joab Dilala, gagner et monsieur, ancien ministre de l'Éducation qui n'est pas ISC, c'est. Monsieur Desroches, qui hier, il dit moi, eh bien, élection, année à ne pas gagner l'autre moyen, nous pas gagner l'autre route par bois pour nous passer, il faudrait organiser des élections. Et ceci malgré la situation et globale du pays. Oui, mais moi, pas partager opinion ça. Et moi, penser que nos besoins ont entente haïtienne. Vous comprenez, et en tant qu'haïtien, il y a des formules, des façons nous capables de joindre. Vous comprenez, des façons nous capables de joindre. Et bon, il y a parlé de conférences nationales. Et moi, je pense qu'il faut nous rentrer dans un temps de transition. Moi, même à travailler sur ça avec même certains secteurs politiques. Et moi, je pense que. Et grande entente ça nous capables de joindre à travers cette conférence nationale, que ce soit sur ressources pays, façon que nous gouvernons ressources pays, que ce soit côté nous allons joindre nouvelles ressources et Haïti, et si d'autres ressources sont capables de joindre, il faut nous aller chercher, que ce soit ressources minières, que ce soit l'autre ressource dans la diaspora, etc. Il faut que nous allions pour nous chercher d'autres ressources pour nous capables de stabiliser et puis faire progrès social et économique nous capables de faire. Et donc,
et la grande entente haïtienne, moi, je crois que nous capables de joindre dans une période de transition. Gagner un problème constitution qui proposait, moi, je pense que dans la période de transition, nous avons posé pour la période de transition parce que le président Jovenel Moïse n'a pas agité question pour la constitution. Pour le président Jovenel Moïse, il n'est pas qualifié pour ça. Il n'est pas qualifié pour lui parler de constitution parce qu'il était prêté mandat pour respecter la constitution. Mais il n'est pas prêté serment pour lui alors faire la constitution parce que s'il prêtait serment pour respecter la constitution, la constitution est une façon pour lui amender tête lui-même, il a appuyé le processus amendement, il a appuyé. Donc, aujourd'hui, il n'est pas capable de parler de refaire la constitution, même il est en crise politique majeure, j'en ai là. Donc, il faut que nous entrions dans une période de transition, pas comme combien de temps il est capable de prendre, 2 ans, 3 ans, mais il faut que nous joignions la grande entente haïtienne et établir la nouvelle constitution qui pourrait unir tout le pays et qui facilite que la meilleure gouvernance prend de meilleures perspectives nous qu'à tracer pour nation, pour pays, pour population, et pour que différentes couches de la population soient capables de retrouver équilibre émotionnel, parce que là, son pays est traumatisé. Il est vrai que l'OEA a fait des exigences ou encore fait des pressions sur l'autorité et pas Boricite, et ou encore en collaboration avec eux pour capable gagner l'élection en fin année, ou encore plus tard en janvier 2021. On capable toujours une réaction. Mais la question que je vais vous poser, et M. Poltre, c'est peut-être le dernier point qu'on aura abordé. Et ce matin, Bouchelouvi qui existait entre président et la Cour des comptes, et je dis à la, Jovenel Moïse, pas caché volonté li, pour qu'elle t'a modifié et décret sous et m'a capable dit organisation et fonctionnement et de coup des comptes qui était là en 2005. Bon, ça sont c'est des menaces et c'est des attaques qui pas voilées. C'est des attaques d'une extrême gravité que le président fait contre la Cour des comptes. Mais c'est pas seulement la Cour des comptes qui le menace, c'est le système check and balance. Fait partie de la gouvernance démocratique, de la bonne gouvernance démocratique. Ce système, ça a lié attaqué à lui. Et ça veut dire qu'il y a un projet totalitaire, il y a un projet dictatorial dans la tête. Et tout ça, le seul joint, il faut loyer et courber à volonté. Faut toute procédure yo accommodé à vision par lui et malheureusement ça va pas faire comme ça parce que Haïti est signataire de la convention internationale de la convention interaméricaine contre la corruption, de la convention des Nations Unies, et tout bagaille ça c'est des exigences sur la convention ça y a pas gagné aucun autre pays qui a accepté rentrer en transaction avec un pays comme ça, un pays côté qui pas gagné aucun contrôle et que président fait ça le pipito non ça va pas passer comme ça, il peut pas passer comme ça non plus. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a comme moyen de pression et nous capables de faire sur le président? Parce que c'est le président Jovenel Moïse qui peut tout décret le prêt là, et tout décret, qui ça qu'a appliqué, qui ça qu'a pas appliqué. C'est l'ambassade américaine qui est obligé de dire, monsieur le président, font il camper là, on prend l'autre décret, et puis pour nous garder pour nous en café. Mais maintenant, Jovenel Moïse qui a dit. Oui, mais le président Jovenel Moïse est éternel. Ah. Il est capable de prendre des créaux là qu'on y est. Deux, trois mois après, régime politique qui respectait volonté populaire, volonté démocratique, population, etc. Il a remetté tout le bagage en question. Le président Jovenel Moïse a c'est normal, ça l'a fait. Ils ont volonté pour rentrer dans le régime dictatorial. C'est la mise en place
d'un régime dictatorial et que l'a monté, que l'a entreprendre. C'est ABC, il a commencé à travailler sous loi, il a commencé à travailler la palo de constitution, il a une constitution même pour le reproduire plus au pouvoir, et pour être capable de venir un candidat encore. Et c'est tout bagaille, ça a été dansé là. Mais le président Jovenel Moïse, mes amis, et François Duvalier, t'es pas éternel. Vous comprenez? Ou pas c'est le président Jovenel Moïse, t'as une volonté pour le candidat dans la prochaine élection là, et t'as travaillé? Non, mais pour qui ça l'a parlé de constitution d'après vous? Non, mais est-ce que nous pas trouvé un bon moment? Par exemple, je dis à la, pour nous t'a dit, dans la réforme constitutionnelle, j'ai envie de mettre Doval et bataille pour l'IA. Oui, mais c'est ça la fin. Les besoins, c'est la constitution, justement, pour être capable de produire tout le pouvoir. Les besoins de faire constitution pour le taillon, constitution sous mesure par les besoins de faire constitution pour être capable, si ce n'est pas lui-même, c'est PHTK encore qui reproduit tout le. C'est peut-être ça qui est toute mécanique, violence, ce n'est pas des élections démocratiques qui a préparé. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas pu l'élection, ouais. Et puis qui comprennent que non-situation sécuritaire comme ça, ils sont capables d'aller à l'élection, mais l'élection pas démocratique. On dit que Jovenel Moïse a décidé d'organiser l'élection en fin d'année, encore début d'année prochaine. Qu'on a pas mal d'observation électorale. Il n'est pas capable. Moi, je crois que pas d'élection qu'à organiser, ni en début d'année prochaine, ni en année ça. Toutefois, tu as gagné. Parce qu'on a besoin au moins 9 mois à 1 an pour préparer des élections. Ou pas même un conseil électoral sous pied. Ou pas une loi électorale, code électoral qui pour régir l'élection. Ou pas gagner unité avec classe politique là, consensus avec classe politique là pour aller à l'élection. Donc c'est pas l'élection à organiser, on va l'organiser n'importe quoi. Et puis on est capable de joindre la mafia internationale qui appuie. Mais ça n'a pas résolu aucun problème. En tout cas, Kat Pelouse, merci un peu, Monsieur Paul Trakembila. Bonne journée. Merci aussi. Bonne journée. Et à bientôt. Et voilà, c'était Edouard Paul. On va continuer avec les autres informations, Monsieur Saint-Éloi. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, applaudit l'amélioration constatée au niveau du taux de change ces derniers jours. Jean-Charles Moïse, toutefois, dit se veut prudent, réclame un taux fixe entre 40 et 50 gouttes pour 1 dollar américain sur le marché d'échange, ce qui, à son avis, permettrait aux plus démunis de sortir du marasme économique dans lequel ils se trouvent actuellement. Jean-Charles Moïse. Jodian, peuple haïtien, nous sommes en victoire. C'est la première fois en question. Sur le plan politique et sur le plan économique. Je connais mon économique, ça a frustré dans le moment. Jodian, nous demandons aux économistes, font-ils camper en attendant. Le fouet boucher dans le dossier, ça va passer là. Parce que eux-mêmes, ils ont beaucoup de concepts, ils ont beaucoup de formules pour comprendre ce qui va passer là. Ce qui va passer là, c'est une pression politique qui pousse la Banque centrale à prendre des décisions. Une décision pour traquer la banque qui a fait des ordres. On a décision pour injecter le cob dans l'économie. Dollar qui a baissé. Nous avons des gens qui ont en tête, on l'a baissé pour moi et puis il va le monter l'autre mois. Ce n'est pas vrai, non? Parce que ce sont des décisions politiques nous prenons. L'ENGADE, conférence, Soje Bank, Unibank Tebay, dans le début de 2021, il a félicité tête et puis il a dit que c'est pour la première fois qu'il a fait cob comme ça en payant le système nan, en santé. Alors que ce moment, peuple haïtien, c'est un moment qui est plus difficile dans la vie. Nous comprenons ce que je dis. Je ne peux pas comprendre. La Banque centrale, là, c'est une banque qui a baillé le temps, qui a baillé le temps 10 jours. Nous comprenons ce que je dis. Nous venons de découvrir, la banque qui a fêté, qui a bien fait, nous venons de découvrir que c'est un dollar qui fait comme là. C'est la spéculation. Eh bien, nous ne sommes pas comme ça, peuple haïtien. Nous ne pouvons pas le fâcher, oui. Mais nous prenons la responsabilité ça. Par ailleurs, Jean-Charles Moïse dit accorder un délai de 15 jours aux grands importateurs pour revoir à la baisse les prix des produits de première nécessité. L'ancien candidat à la présidence en a profité pour encourager la population de continuer à se mobiliser en vue de contraindre l'État à diminuer encore plus la valeur du dollar américain sur le marché national. On l'écoute. Moun ki gen produit yo, m pa parle avec ti machin yo, m pa parle avec detan yo.
Quoi important est-ce? Nous avons 15 jours pour nous livrer ça nous avons dans nous. Parce qu'après 15 jours, il faut prendre tout pour les premières nécessités descendre dans le pays. C'est ça nous venons de la matinée. Quel conflex, quel ciment, quel tol, quel durée, quel poids, quel clou, quel bois de pacate. Après 15 jours, il faut tout descendre en tapéant. Nous tendez? Les bagages montent en Haïti, les bagages descendent. Cette fois-ci, nous fâchons. Et nous comment nous être là aujourd'hui. Yes. Nous fâchons, nous comment nous être là. Les gens qui gagnent, quoi importe, on a parlé avec eux. Il faut qu'ils vont compter après 15 jours pour descendre, puis tout produit première nécessité. C'est ça que nous devons dire matin. Après 15 jours, mobilisation, pas faite devant banque seulement, mais pour le faire devant gros messieurs qui ont gros dépôts et qui ont pété fiel peuple haïtien. Nous sermentés, nous ne sommes pas capables encore. Nous prenons une décision pour nous contre là. Nous prenons une décision pour nous produire l'USC. C'est amis, c'est mon petit de Saline, c'est quelques voisins, c'est mon monde dans le pays. Je regarde comment on vit. Yon ti mami di pa kaba manje. Mais pour yon ti mami di oui. C'est 3-4 moun ka mette tête ensemble pour yachel. Est-ce que nous arrêtons pour nous mourir, peuple haïtien? M'pa quoi ça? Décision nous prenons là yo, c'est pas décision politique, mais c'est décision économique que nous prenons. De la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince dénonce le climat d'insécurité grandissant dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ces dernières semaines. Qui pille les gangs armés opèrent et circulent sous le regard passif des agents de la police nationale, déplore ces étudiants qui en profitent pour tirer la sonnette d'alarme face à cette situation de chaos. Écoutons. Ni, pas juste pour que nous vivions nos sociétés côté que nous avons un ensemble de monde qui ont des âmes dans les mains et devant Dieu la police, les gens ont circulé libre. Pourtant, nous-mêmes qui étudiants, qui a fait une bataille qui est juste pour même monde ça encore parce que c'est yo sablé avec nous c'est des monde que jodi l'état pas bay l'autre alternatif par le fait que pas jambe bay encadrement que doit bay yo nous vinn trouver nos situations côté que tout pays en gon insécurité vertigineuse qui a plané sous lit qui pas épargné personne jodi nous même comme étudiants nous prend responsabilité nous et avec tout l'autre monde qui conscient dans pays a, parce que nous dit le triomphe du mal n'est pas éternel et le mal triomphe par l'inaction des gens de bien. Eh bien, si tout le monde de bien mettez tête ensemble pour goûter dans le pays, eh bien, changement est possible. Pour eux, nous devons pas mourir en bas l'insécurité. L'autre monde encore dans ce pays, nous devons mourir en bas l'insécurité. Nous disons qu'il faut que ça suspende. Nous avons une logique, ça. Nous devons continuer la bataille et nous avons ensemble d'activités que nous entreprendre. Nous avons une journée porte ouverte que nous démarrons. Côté que nous disons tout le monde qui est victime en bas de l'insécurité, qui est victime en bas pouvoir ça, vient pour te mettre. Côté que nous allons faire un tribunal populaire. Nous allons condamner l'État ça pour tout Zach. Il fait peuple haïtien, il fait jeunesse là, il fait timounio, il pas gain l'école, pas gain santé. Pourtant, il y a une possibilité pour construire l'école, pour construire centre de santé pour nous, mais pas ça au fait. Il y a des dames dans mes jeunes pour tuer peuple là, pour assassiner timounio dans le quartier. Il est 8h48 minutes, nous allons ouvrir le billet de Jacques. Pour couronner le journal Pacifique Matin, l'éditorialiste Jacques Ambroise donne le ton en vous présentant son billet à compter de 8h50. 10 minutes de réflexion, d'analyse face aux différents problèmes d'ordre socio-politique. Le billet de Jacques Ambroise, un rendez-vous à ne pas manquer. Le billet de Jacques Ambroise. Crise haïtienne,
Éducation, avenir hypothéqué, le titre du billet de Jacques. Bon billet Jacques, bonne écoute à tous. Merci Moïse. Passez par ici et moi, par là. Nous comptons pour nous rentrer la CAIO, jeudi 10 septembre, pour nous capables pour le quatrième billet pour ce ben. Et jeudi, et nous, c'est. On a toujours parlé de crise qui gagne dans le pays, mais avec différents thèmes, différents sujets. C'est jeudi, là, problème que nous gagnons dans la question de l'éducation dans le pays. Et l'éducation est égale à système éducatif, c'est lié à le modèle de développement que vous avez en Davéo. Si vous n'avez pas un système éducatif qui jump, en ben à faire développement, c'est un dé pour capable d'entendre ça. Et je dis à la, nous grand pile fois n'a dit que technicien haïtien yo pas aussi bon j'ai longtemps. Mais comment t'as voulu pour technicien au performant les par exemple donc on l'école qui pas répondre à et réalité à. Nous avons l'école qui n'est pas compétitive. Nous avons l'école que nous n'avons pas même définie. Parce que si nous avons parlé de modèle éducatif, c'est qui modèle pour Haïti? Qui qualité est l'éducation que nous sommes capables de gagner en deux pays? L'important pour nous t'achita, pour nous réfléchir, pour nous connaître comment qu'il est n'a privé changer système éducatif dans le pays. C'est-à-dire, pour nous connaître, qui qualité citoyen que n'a pas le formé pour permettre que le pays à lui-même l'avance. Parce que c'est à travers l'éducation qu'on va gagner un modèle de citoyen qu'on voulait. Et c'est là où on va jeter base pour capable de développement et tout bon en un pays à développement durable. Développement de jeunes qui n'a pas l'air, li pas foutu rivé si nous pas chita pour nous poser problème éducation. Je dis à les nous garder grosse crise qui gagne en dans et système noir. Le fait que nous pas capable et définir qui qualité l'école que nous gagnons. Maintenant, m'attendez un gros professeur qui dit que impact COVID-19 là et la réelle sous éducation en général, sous système éducatif et différents pays, sous tout type pays et en général, parce que puis une grosse fonction ou bien principale fonction que l'école gagne, c'est former cadre pour capable intégrer et marché travail. C'est qui qualité main d'œuvre que on va gagner et dans pays là. Et parce que système, mais c'est Maslow et qui dit que système éducatif ou lié égal à développement, système développement et gens ouais développement en dans et yon pays. Ça veut dire, là nous prenons l'éducation, bon, oui, c'est le système éducatif qui n'est pas défini. Nous ne savons pas qui ça nous veut. Nous ne savons pas qui ça pour enseigner dans l'école. Nous ne savons pas comment qui orientation pour nous faire différents cours. Les cours ne sont pas adaptés à la réalité et haïtienne. Ah ben, là où nous et éducation qui pas adapté à réalité a ou vinn gagne yon pays qui rabougri, yon pays qui pas ka développer, yon pays qui en mal de développement, un pays qui cherche, un pays qui pas connaît qui ça qui force li, qui ça qui faiblesse li et ça qui force li
comment pour exploiter li pour permettre que tout citoyen vive correctement et faiblesse li essayer prendre des mesures, prendre précaution pour faire que et faiblesse ça yo pas fini avec pays. Je dis à nous une banalisation systématique dans la question de l'école dans le pays d'Haïti. Parce que l'école là tout, les synonymes de pouvoir, les synonymes de qui qualité et citoyen que nous formons, mais capral nan diriger pays ça. Et les nous gars des gens causé aïe par rapport à banalisation l'école que n'a parlé journée jodi a. Quel est ça qui passé aïe? Comment que nous t'a parlé de on sait de l'école qui victime de actes et de vandalisme par rapport à yon et un peu élève qui sorti dans lycée et qui pas gen professeur qui mandé fok yo gen professeur et qui senti que yo monstré yo frustré parce que et collège ou même y a travail mais ça c'est fok collège qui a travail mais depuis ti koko mabouma bejeune nous toujours et nan par rapport à je nous fait l'école je nous concevoir système et éducatif nous toujours gon laisser frapper c'est toujours des laisser pour compte moun ki et nan lycée lycée pas jamais gagné un modèle organisation réel pour qui permettre que lycée fonctionner normalement j'en là de fonctionner et la pral fonctionner en fonction de qui directeur qu'il gagne qui importance directeur ça bail et l'éducation qui comment et la pral créer conditions même si l'état pas payé parce que problème professeur pas touché c'est pas un problème qui posé ni hier ni avant-hier problème tout que et dans lycée surtout des professeurs qui qu'on a touché qu'on gagne de gros entrebris parce que l'éducation en Haïti par rapport à Jean Payaya et surtout dans monde qui sorti dans classe moyenne classe moyenne défavorisée et même classe moyenne et favorisée gagner environ 60 à 80% dans professionnels ça yo qui était professeur l'école qui pour te kembe c'est coup yo te kon fait pendant certaine période et c'est l'école là qui te permet que yo kembe pour yo te capable vin et gros professionnel pendant que yo tapé fait diplôme yo nan yon et département quelconque ça veut dire pour gagner un métier ça veut dire nan jan sa kon gen de gros autobre tout malgré que yo fini yo diplômé yo nommé au nom c'est de gros postes d'administration et public ou bien privé et surtout public en ben yo toujours kembe chez lycée parce que chez lycée son job l'état que lié et puis laisse ça yo pas le faire coup yo pas le faire coup et qui vient fait que ti moun yo konn pas et gen professeur pendant toute année ou bon partie d'année mais problème n'a pas qu'à résoudre de façon aussi simple comme ça. C'est qui qualité l'école que nous gagnons, que nous besoin, et qui qualité outils tout que nous parlons gagner en dans l'école yo pour qui et permettre que nous avancer. Parce que l'école que nous gagnons aujourd'hui, évidemment nous on l'école à géométrie variable. Ça veut dire l'État pas gagné monopole l'éducation en Haïti. C'est pas l'État qui dit mais comment pour ti moun yo formé mais qui qualité technicien que m'a besoin mais niveau pour yo gagner c'est-à-dire l'état va gagner test li pour le passer quel que soit côté sorti a par rapport à outil que le mandé si c'est l'école privée pour qui gagne à la disposition de chaque et étudiant chaque élève et dans lycée yo comme c'est l'état qui prend en charge qui doter lycée ça autour de outils ça yo pour permettre que et situation l'école en lui-même li progresser li bonon l'autre qualité société et Jean l'école que nous gagnons jodi a dans pays a c'est pas étonnant ko wè ça qui passé hier élève yo qui attaquer l'école yo parce que bon une société qui clivante
Ça veut dire que en société qui gagne clivage là-dedans, qui gagne chaque moune, chaque coucouille, clair pour géo. Et son société tout, et son école tout, j'en lié à, qui kavine baou haine sociale par rapport comme si moun qui n'a telle qualité l'école, ou a dit que c'est yo qui cause n'a telle qualité l'école, ou a dit y a fait que c'est société a qui d'accord. Mais c'est parce que nous pas bien organisé, nous pas konn qui ça n'a fait, comment n'a fait, et qui côté que nous voulons aller. Et l'école ça a tout, li vin ban nou en pile irrespect. Ou conjoint des moun qui j'ont dit yo pas respecté l'autre yo parce que pas gen même moyen yo, pas gen même outil yo, et c'est l'école, c'est premier pas vers la justice sociale véritable en dans pays, li pas capable, yo source de clivage, on source de division, ça qui fait que l'école pas nous hein, sont l'école qui en lambeau, qui pas qu'à bonne société que nous voulons, et n'a toujours une société de gauche, d'épargne qui toujours été dans logique de confrontation. C'est un plaisir pour nous avoir. D'abord, rendez-vous pour demain. Vive Haïti lui-même, l'avenir. La tête, midi, soir, j'écoute une seule fréquence. Pacifique FM. Red branché. On a tourné talle. Moi pas la toilette, mais mes papiers pour me faire mot. Ma déglory. Papier glory. Hey, moi fin manger, moi mes papiers pour me faire bouche moi. Ma déglory. Napkin glory. Mais sous mes bon papier. Y'a mon papier hygiénique, papier glory, papier de qualité, papier là, y'a mon papier pour santé, papier glory. Hey, ou remé hygiène, ou remé santé, on va capasser vie, à glory. L'île dans toute boutique, dans toute la marche, la veille y'a pas cher, à glory. Mais oui, nous même qui femmes qui s'assurent pour famille, nous pas capasser vie à glory. Papier toilette là, napkin pour table là, c'est santé caille là, glory c'est nombre, on a fait hygiène, l'île fait mix et tout, l'île va y'en non, fille, work, joy, glass. Servir avec papier glory, produit local qui a bail travail. Et puis qui est gros, qui est petit, qui est pour toute poche. Et toute commande, belle dans 28 11 0444. 28 11 0445. Et dans toute boutique, dans toute la marche, la veille y a pas cher. À glory! Qui sort ce dîme la magie? Comme quoi, en plus d'accéder à mes comptes, je peux aussi payer mes fournisseurs et n'importe qui a un compte à la Unibank? Mais oui, Sandra, c'est le service Pay Anyone de Unibank Online. Avec ton PIN de sûreté et en un simple clic, tu fais un virement sur le compte de ton choix avec Unibank Online et c'est un jeu d'enfant. Et ce n'est pas tout, ma chère. Ah oui? Gain toujours? Mais oui, ma chère. Avec le service Pay Anyone, tu as plusieurs options. Tu peux faire un virement ponctuel ou le programmer à une date ultérieure. Tu peux également effectuer des paiements automatiques en fonction de tes besoins. Liguez doit chaque mois ou bien j'envelais l'an pour t'envelais l'an. Ah! Avec le service Pay Anyone de Unibank Online, je gagne du temps et plus question d'être en retard sur mes paiements. Unibank Online, c'est simple, rapide et pratique. Pour bénéficier du service Pay Anyone de Unibank Online, inscrivez-vous dès aujourd'hui sur le www.unibankit.com. Pendant 7 jours grâce à Semaine qui est contente. Semaine qui est contente disponible dans tout outil administratif Canal Plus. Pour toutes informations sur l'adresse numéro de Port-au-Prince dans la province, il est dans 2946-4141 ou soit aller sur www.canalplus-haïti.com. Pour référence BRH pour jeudi 10 septembre 2020, c'est 94,08 pour $1 américain. N'a pas rappelé tout le monde. Taux référence BRH calculé et puis publié pour journée 1, c'est résultat transaction achetée dollar qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublier,
Taux référence là disponible tout le temps sur site BRH là www.brh.ht, sur compte Twitter BRH, BRH Haïti, ou soit ou carré le centre contact BRH là gratis dans 94 good 08 pour un dollar américain. Clarisse, savon crème lotion Clarisse, c'est magique. Yo fait toute ta soupe au moins disparaître. Ou bien nettoyer pour.